Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de Legacy of the Void. On a beaucoup de choses à se dire, la partie 1 était longue, la partie 2 risque de l'être tout autant. En vrai, on a fait le plus gros, la campagne des premiers-nés, la campagne des protos, on a fait le plus gros. Mais on va attaquer des choses très intéressantes et également la fin de Legacy of the Void qui a été, on va dire, partiellement critiquée. Donc évidemment, je vous laisse aller voir la partie 1 si vous venez d'attaquer, etc. Également les autres vidéos qui précèdent pour mieux comprendre, parce que StarCraft 2, je l'ai déjà évoqué dans la partie 1, mais je préfère le rappeler, StarCraft 2 Legacy of the Void a la lourde charge de finir déjà la campagne, bien sûr, des Protoss, finir StarCraft 2, donc est la suite de Wings of Liberty et d'Heart of the Swarm, mais surtout finir la saga qui avait commencé avec StarCraft 1 et la campagne des Terran en fait. Donc c'est vraiment l'aboutissement de StarCraft 1 et ses extensions et de StarCraft 2. Donc c'est un lourd passé et forcément il va y avoir des choses. Alors, du coup, on s'en était arrêté avec l'impatience d'Alarak qui commençait à grandir. Les Purifiers, pour lui, c'est tout ce, en fait, c'est tout ce qu'il déteste. Les Purifiers, les Purificateurs, c'est tout simplement un système vraiment, alors déjà des robots, donc déjà qu'il a pas beaucoup d'estime pour les êtres vivants autres que les Tal'Darim, autres que les élus. Tal'Darim, c'est la traduction d'élu en fait, pour les Protoss. Du coup, c'est vrai que en dehors des Tal'Darim, déjà considère les Kalaï, donc les Templiers, les Protoss d'Ayur et même les Nerazim, les Protoss de chaque race, et considère avec dédain. On est assez arrogant en Protoss, mais alors les Tal'Darim, ils en ont une sacrée paire, ils ont une sacrée couche là-dessus. Et au final, alors les humains, c'est des singes pour eux, et les Ergs, bon, c'est des insectes à la con. Du coup, c'est vrai qu'il prend un peu tout le monde de haut. Et les Purifiers, pour lui, c'est juste des machines. Déjà, il les considère pas comme des individus, il les considère comme des machines, tout ce que les Purifiers détestent, du coup. Mais également, là, comme les Purifiers fonctionnent énormément, au lieu de s'en servir comme des simples armes, eh bien, les Purifiers, on va avoir un développement justement comme on l'a vu dans la fin de la partie 1 où ils vont réussir à gagner leur indépendance, et ça plaît pas du tout à Alarak. Il faut bien comprendre, je vais reparler un petit peu du système d'ordre, de hiérarchie avec la chaîne de l'ascension chez les Tal'Darim, mais c'est quelque chose qui échappe à sa compréhension, c'est pas du tout sa culture. La culture d'Alarak, il est né sur Slayne, il a grandi en tant que, enfin j'ai envie de dire que boucher, mais en tant que, enfin on lui a toujours enseigné, mec, tu dois t'élever dans la hiérarchie, dans l'ordre sociétal, tu dois détruire les faibles, te hisser toujours plus haut pour pouvoir dominer, pour pouvoir, pouvoir diriger. Donc il y a vraiment une relation maître-esclave, et il n'a connu que ça lui. Sachant qu'il y a également une relation maître-esclave entre les dieux, Amon et les Xel'Naga qui sont avec lui, contre et avec les Tal'Darim, qui sont certes les élus, mais ça reste un lien d'esclave à maître, de dieu à disciple. Donc c'est vrai que on n'est pas du tout dans son état d'esprit. Donc lui, pour lui, c'est une impatience. Enfin, c'est un gaspillage de temps. Et du coup, il veut tout simplement aller sur Slayne, la capitale des Tal'Darim. Donc c'est la planète. Encore une fois, il y aura des noms de planètes. Comme dans la partie 1, si c'est trop compliqué avec trop de noms, c'est pas grave. Les planètes, on s'en fiche. Mais Slayne, c'est quand même important parce que c'est la capitale des Tal'Darim. Alors, un point qui est important, que je voulais pas trop détailler, mais je vais en profiter. Les Tal'Darim aussi, il y a eu une incohérence, on va dire, qui avait toujours été montrée à Wings of Liberty et Heart of the Swarm, mais comme c'était pas des campagnes qui étaient destinées aux Protoss, beaucoup de questions de la communauté, c'était, on s'interrogeait énormément sur, ok, les Tal'Darim, on les connaissait pas dans SC1, bon, ok, pourquoi pas, c'est vrai qu'ils sortent un peu de nulle part. Finalement, avec l'univers étendu, ça avait été quand même assez bien expliqué. Et finalement, eh bien, les Tal'Darim, par exemple, de Wings of Liberty, on les voyait avec la technologie des Protoss d'ailleurs. Et on se disait, mais le problème, c'est que il y a eu une séparation, il y a eu une scission dans la société Protoss. Comment se fait-il que les Tal'Darim aient accès à la technologie Nerazim, à la technologie Kalaï, et même à la technologie potentiellement Purifiers? Du coup, alors, bon, ils n'ont pas vraiment la technologie Purifiers, mais vous m'avez compris. Du coup, en fait, il a fallu trouver une explication. Et c'est dans les lignes de dialogue de la campagne Protoss, où on est vraiment immergé dans la société, dans la civilisation Protoss et dans les différentes cultures Protoss, qu'ils ont répondu à cette question en disant justement qu'en fait les Tal'Darim avaient toujours... Alors ça existe aussi depuis SC1, si je dis pas de bêtises, mais là peut-être que je m'égare. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils expliquent du coup qu'en fait les Tal'Darim lancent des raids très souvent sur des colons Protoss.
des forces coloniales Protoss qui disparaissent parmi les étoiles et ils leur volent en fait, ils volent la technologie, ils tuent les habitants et récupèrent tout comme des pirates en fait, hein, c'est vraiment les pirates Protoss et qui récupèrent la technologie et ensuite ils la refaçonnent avec leurs propres matériaux sur leur planète. Et donc ça c'est vraiment, ça a été bien expliqué dans Legacy of the Void avec les différentes interactions. Donc voilà, je tenais à le rappeler pour comprendre comment les Tal'Darim ont accès à la technologie qui leur semble impossible à obtenir. D'ailleurs c'est une interaction qu'on a avec Karax qui explique qu'au final eux ne créent rien et veulent tout en fait. Donc c'est encore un problème culturel vis-à-vis bien sûr des Kalaï et des Nerazim. Donc petit rappel aussi dans la manière de penser des Tal'Darim, hein, comme je vous l'ai dit c'est vraiment un rapport d'esclave. Et Alarak il veut devenir le dirigeant des Tal'Darim pour se venger d'Amon, pour rappeler un petit peu ses motivations. Il veut se venger d'Amon, le dieu qui est trahi puisque lui il s'en fiche des Tal'Darim, il se sert d'une arme et ensuite il la jettera. Donc il ne laissera pas les Tal'Darim, il aura promis l'ascension, c'est-à-dire de s'élever en tant que Xel'Naga, mais en fait bah, ils ne deviendront jamais. Et du coup, Alarak eh bien, veut triompher d'Amon en devenant le chef des Tal'Darim, et pour ce faire il doit vaincre le chef actuel des Tal'Darim, à savoir Malash. Alors, Malash est très important bien entendu. Et au final, ce qu'il veut faire c'est tout simplement réduire en esclavage son propre peuple pour pouvoir les diriger. Alors, ils arrivent, donc la lance d'Adun arrive tout simplement en orbite autour de Slayne. Comme vous le voyez, on a la flotte de mort, donc la grande armada Tal'Darim qui est rassemblée, puisque l'assaut, enfin au final, les Tal'Darim ont déjà commencé à lancer des assauts sur différentes planètes. Et Alarak, eh bien, arrive la bouche en cœur. Un Protoss n'a pas de bouche, pour tout simplement eh bien, lancer son duel, hein, son 1v1 Nashor, 1v1 Rakshir, tout simplement contre Malash, le dirigeant actuel des Protoss, enfin des Protoss Tal'Darim, pardon, de Slayne. Et du coup il veut le combattre pour pouvoir le tuer, le battre en duel et pouvoir récupérer tout simplement sa place. Donc petit rappel, la chaîne de l'ascension, je l'ai déjà évoqué. Le Rakshir, c'est un rituel sacré hein, pour les Tal'Darim. Donc le Rakshir, c'est tout simplement... D'ailleurs, la plupart disent Rakshir, mais dans la campagne, ils disent le Rakshir. Mais en vrai, c'est Rakshir, le rituel, qui va avoir lieu. Alors, faut savoir que les Tal'Darim, malgré cet aspect très brutal et très, on va dire, très rentre-dedans, en fait, ils peuvent pas se tuer directement. Alors, il peut y avoir des petits attentats, etc., hein, Le regard a été détourné, on tue quelqu'un, mais globalement, les Tal'Darim n'ont pas le droit de se tuer, hors du Rakshir. Donc ça c'est assez intéressant mine de rien, ça apporte une certaine profondeur, une certaine complexité aux Tal'Darim. Même si on est dans un système ultra méritocratique, en mode c'est la loi du plus fort, c'est le mec qui domine, qui va s'élever, etc., etc., il y a quand même on pourrait s'imaginer dans plein d'univers que ce genre de système, bah, les mecs s'entretuent tout le temps pour devenir les boss. Non, il y a quand même une certaine législation, il y a un certain cadre à obtenir. Et du coup, par contre, le Rakshir, c'est aussi un rituel avec ses propres règles, mais c'est assez ouvert. C'est-à-dire que c'est pas un 1v1 plein d'honneur, etc. On reste chez les Tal'Darim. Donc, en gros, si vous arrivez à convaincre par la force ou par la diplomatie des acolytes tout simplement, eh bien vous pouvez les avoir à votre accès. Donc le duel a bien lieu entre les deux Tal'Darim, mais d'autres Tal'Darim peuvent apporter leur soutien au chef en fait, au chef qu'ils suivent. Donc au final c'est un duel 1v1 mais avec pas mal de soutien extérieur. Par contre le duel est vraiment opposé aux deux. Le principe c'est quoi? C'est on a tout simplement donc dans une grande vallée sur Slayne. C'est un endroit spécifique, on a deux espèces de bouches en fait liées au vide et en gros l'un doit pousser l'autre, c'est un battle royal, hein. ils doivent s'affronter en 1v1 et ils doivent pousser leur adversaire grâce à la force psychique, leur force psionique, ils doivent balancer l'adversaire dans le gouffre en fait. Et c'est quelque chose qui prépare bien entendu hein, le Rakshir. Et en l'occurrence, comme on le disait, ils vont vouloir s'entretuer et il y a une énorme rivalité entre Alarak et Malash. Comme je l'ai dit, bah déjà il y en a un qui sert totalement Amon et très fidèlement Amon, à savoir Malash. Alarak, lui, s'est rendu compte que Amon n'en avait rien à faire des Tal'Darim et du coup il veut détruire, il veut briser les chaînes qui lient les Tal'Darim à Amon, comme je vous l'ai dit juste avant. Et au final, il considère bien sûr Malash comme un traître, puisqu'il est prêt à abandonner son propre peuple. Alors, on n'a pas toutes les motivations, j'ai vu ça aussi dans les questions sur la partie 1, on n'a pas toutes les motivations de Malash, mais au final, Malash, ce qui est sûr, c'est qu'il sait ce que Amon réserve à son peuple. Donc peut-être que Amon lui a promis l'ascension,
Et il pourrait potentiellement être le seul Tal'Darim à avoir l'ascension. Ou alors peut-être que Malash n'en a juste rien à foutre et il veut juste buter tout le monde et finir, avec du sang sur les mains partout et avoir cette fin grandiose. On sait pas trop. On sait pas trop ce qui motive Malash à ce niveau-là. Mais par contre, il y a aussi un autre lien qui fait la rivalité entre Alarak et Malash. Si vous avez suivi ma vidéo sur la nouvelle, justement la nouvelle entre Alarak et Malash, eh bien, Malash a tué le maître d'Alarak. Alors, Alarak, c'est un petit peu particulier parce que Alarak, au final, a trahi son propre maître. Donc, il a condamné le maître qui s'appelle Nuroka. Nuroka a été tué dans le rite du Rakshir contre Malash. Alarak a trahi son maître. Mais en vrai, s'il a trahi son maître, c'est pour pouvoir en finalité vaincre tout simplement Malash et devenir le chef des Tal'Darim, celui qui sera, celui qui pourra permettre de libérer son peuple. Donc il s'est servi de son maître. Mais au final, il respectait énormément Nuroka. Plus que Malash d'ailleurs. Donc il y a quand même une certaine rivalité qui s'est créée aussi avec la mort de son maître. Même si bon, la relation entre Alarak et Nuroka est très particulière. Mais en tout cas, il y a un respect. Il y a un respect mutuel, on va dire. Il y a un respect mutuel avec son maître. Et Malash, pour le coup, Alarak n'a aucun respect envers Malash en dehors de ses faits d'armes. Malash est le chef des Tal'Darim. Et en tant que chef des Tal'Darim, il a le surnom de la lame d'Amon. Il a vaincu énormément d'adversaires qui l'ont défié en Rakshir. Donc, bien sûr, Alarak sait que Malash est un guerrier très puissant. Mais en dehors de ça, il et profondément ce que représente Malash, contrairement à Nuroka. Du coup, Slain, le monde capital des Tal'Darim, est un monde assez particulier, très connecté au vide, et c'est pas pour rien que les Tal'Darim ont choisi ce monde. Alors, il faut savoir que les Tal'Darim n'ont pas un empire, galactique aussi grand que les Kalaï, par exemple, ou même le réseau que les Nerazim ont tissé, mais il y a, en fait, toutes les planètes ont une particularité chez les Tal'Darim, c'est qu'elles sont liées au vide. C'est-à-dire qu'il y a des espèces de poches qui connecte en fait directement notre réalité avec la dimension du vide. Et au final, eh bien, cette connexion se montre avec cette espèce de brume violette que vous voyez, c'est la Terrazine, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. La Terrazine, c'est tout simplement en fait cette drogue qui est originaire, enfin c'est une substance qui est originaire du vide, sous forme gazeuse, et qu'on peut mettre sous forme liquide d'ailleurs, et que les Tal'Darim, on va dire, inhalent pour planer et renforcer leur pouvoir psychique. Mais surtout, en renforçant leur pouvoir psychique, ça leur permet d'entrer en connexion directement avec leur dieu, à savoir Amon. Et du coup, avec les Xel'Naga du vide. Et c'est ce qui permet, par exemple, à Malash et aux autres Tal'Darim de pouvoir parler à Amon. C'est d'ailleurs comme ça que Nuroka, le maître d'Alarak, a appris que Amon s'en foutait des Tal'Darim. C'est notamment lors d'une de ses connexions. Donc, la planète Slain est très riche en Terrazine. Il y a énormément de Terrazine avec des geysers de Terrazine qui permettent d'alimenter le monde, et du coup, eh bien, les Tal'Darim, c'est aussi pour ça qu'à Wings of Liberty, on voyait justement des Tal'Darim sur des mondes coloniaux Tal'Darim, où il y avait des temples, puisqu'ils étaient riches en Terrazine. En l'occurrence, donc, au moment où la lance d'Adun est en orbite autour de Slain, eh bien, la clé Xel'Naga va être chargée d'énergie du vide, grâce notamment à la Terrazine de Slain, et ça avait déjà été un petit peu le cas à Ulnar, j'en avais pas trop parlé, mais à Ulnar, en gros, quand ils étaient devant le portail vers le vide, eh bien, il y avait aussi de l'énergie du vide qui crépitait, et ça, tout ça charge la clé Xel'Naga que les Terran avaient offert, bien sûr, je le rappelle, à Karax et au Protoss, au Delam. Donc, Alarak, alors ce qui est un peu étrange à ce niveau-là, c'est vrai que la flotte de mort qui est en orbite autour de Slain ne va pas attaquer la lance d'Adun. Alors là-dessus, il n'y a pas vraiment de raison, on ne sait pas trop pourquoi. On ne sait pas trop pourquoi la flotte n'attaque pas. C'est pas spécifié parce que il se passe dans Legacy of the Void, et d'ailleurs pas que dans Legacy of the Void, mais c'est surtout dans Legacy of the Void où il va se passer énormément de choses hors écran en fait. Pourtant, c'est vrai que la manière de narration vous plonge dans l'histoire, mais malgré tout vous avez des interactions qui vous expliquent ce qui se passe à côté, par exemple l'armada dorée, hein, la flotte amirale Protoss qui est en train, j'en reparlerai d'ailleurs dans cette vidéo, hein, qui détruit des mondes et des mondes pendant que la campagne Protoss a lieu, où justement ils essayent d'éviter la flotte Protoss. Ça manque des fois, malheureusement, dans la mise en scène, qui est pourtant très bonne, mais ça manque justement de nous rappeler, de nous montrer ce qui peut se passer à côté, puisqu'on est quasiment immergé, ancré dans ce que l'on voit. Et du coup, par exemple, il y a des batailles pendant qu'on est au sol en train de se battre, il se passe des combats spatiaux. Et on le voyait également Heart of the Swarm avec la bataille de Coral.
où on nous parlait bien sûr des assauts spatiaux, des combats spatiaux, pendant que nous on dirigeait les forces au sol, eh bien chez les Protoss ça se passe, il se passe la même chose. Mais là, on nous parle absolument pas de combats spatiaux entre la flotte de mort et la lance d'Adun. Donc il y a une espèce de cessez-le-feu étrange, très probablement parce que Alarak a dû contacter les Tal'Darim. D'un autre côté, Malash est toujours le dirigeant, donc il y a un espèce de flou, je ne sais pas si ça sera expliqué un jour, il y a un espèce de flou où on ne sait pas trop. Peut-être que Jinara aura un rôle dans ce flou, mais en tout cas pour le moment c'est vrai qu'il y a peu de détails sur cette espèce de flou. En tout cas, probablement par contre que les Protoss vont agir vite. Alarak va envoyer les Delam, donc va envoyer Artanis et ses soldats sur Slayne afin de tuer les partisans d'Amon. Alors pas n'importe qui, c'est les têtes pensantes, les lieutenants principaux d'Amon, qui sont appelés les gardiens. Alors est-ce que ce sont des aspirants ou pas? Il y a de fortes chances que ce soit des aspirants dans la chaîne de l'ascension, mais du coup on les appelle les gardiens ici. Et donc il veut, Alarak veut tuer les gardiens afin de fragiliser le pouvoir d'Amon. Alors pouvoir à la fois littéral et imagé, c'est à dire que on a vraiment lors du Rakshir, comme je vous l'ai dit, certains lieutenants peuvent intervenir et donner de leur énergie psionique à leur champion. En l'occurrence, tuer les gardiens, déjà ça fragilise le pouvoir d'Amon dans le duel. Mais en plus de ça, c'est vraiment dans le côté contrôle, dans le côté régime politique. Parce que même s'il tue Malash en 1v1, eh bien il a peur que ses gardiens restent fidèles à Amon. Et du coup, essaye de contester son autorité. Donc il organise cette attaque. Mais alors ce qui est important, c'est qu'Alarash cache justement les motivations que je viens de vous donner, il les cache. Et ça c'est quelque chose d'important à retenir, parce que moi là je vous le dis, donc c'est vrai que vous avez du mal peut-être avec à être dans l'empathie et d'imaginer Artanis, mais en gros Alarak lui parle il parle à Artanis du Rakshir, mais Artanis sait pas trop ce que c'est que le Rakshir pour le moment. Donc il dit écoute, j'ai un rituel sacré, il faut que j'aille là et que je bute les gardiens. Donc pour Artanis, le Rakshir c'est ça. Donc il se dit allons-y, on va t'aider, on va faire ça, on va mettre ça en place. C'est les Américains en Amérique du Sud et en Amérique latine. On va changer des spots au pouvoir afin d'avoir nous-mêmes plus de pouvoir. Et au final, eh bien, Alarak donc va faire en sorte que Artanis tue les différents gardiens. Lorsque le dernier gardien meurt, c'est d'ailleurs Alarak qui le tue alors que c'est censé être interdit. Mais bon, il vient de buter tout le monde, c'est un petit coup de lame en secret. Il le tue et à ce moment-là, eh bien, il va défier justement Malash officiellement en Rakshir. C'est pour ça qu'avant, il n'y a pas de lettre, on va dire, il n'y a pas eu de recommandé en mode c'est le Rakshir, c'est pour ça que la flotte de mort arrête. Non, non, à ce moment-là, justement, il y a la demande officielle, donc il y a le défi de Rakshir contre Malash. Malash accepte le duel, accepte le rituel et justement en parle. Alors là, au niveau de la temporalité, on sait combien de temps c'est cool, puisqu'il dit directement demain matin, à l'aube, nous nous affronterons tout simplement en Rakshir. Donc Alarak va tout simplement se préparer. Alors ça par contre, donc il a toute la soirée en gros pour se préparer. Le truc c'est qu'Artanis comprend, puisqu'Alarak lui réexplique d'autres choses, donc Artanis comprend qu'il s'est fait manipuler. Et là il va y avoir rivalité et il va y avoir grosse argumentation, grosse dispute entre Alarak et Artanis, puisque Artanis il aime pas du tout que les Templiers lui soient manipulés. On imagine qu'il y a eu des pertes aussi du côté des Delam, donc il a envoyé des soldats à la mort pour de faux prétextes, et ça il aime pas du tout Artanis. Et Alarak explique du coup pourquoi il a fait ça et lui dit au final, même si je t'ai caché mes motivations, ça ne sert tous nos desseins, ça sert ta volonté, ça sert la mienne également. Personne ne pourra remettre en cause mon règne, et en plus de ça on a fragilisé le pouvoir de Malash et donc d'Amon, par défaut d'Amon, parce que Amon, son champion, c'est bien sûr Malash. Au final, Alarak va se préparer pour son duel, donc il va se shooter à la Terrazine évidemment, c'est pour ça cette espèce d'aura violette lors de la préparation. Et la Terrazine pour les Tal'Darim, ça a un nom très particulier, c'est pas juste la Terrazine, ils appellent ça le souffle de la création. Le souffle de la création, vous voyez bien l'idée, c'est le souffle de la création, c'est l'idée que c'est vraiment, ça dégage d'Exelnaga et c'est quelque chose de très sacré pour les Tal'Darim. Et notamment tout simplement en se boostant à la Terrazine, eh bien il sent, il ressent, il a son lien du coup avec Amon et il ressent la crainte d'Amon, puisque Amon craint de perdre le contrôle des Tal'Darim si jamais Alarak l'emporter
contre, si jamais il l'emportait contre Malach. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs à ce niveau-là, peut-être pas assez évoqué, explicité je dirais dans la campagne, c'est que Amon fait le fanfaron pendant toute la campagne. Dès que vous entendez la voix d'Amon, alors c'est une voix en plus de gros badass, la fin du monde arrive, etc. Et au final, en fait, à chaque fois que vous entendez Amon, donc ça peut sembler un peu pompeux, avec un manque de... un manque, dirais, de modération et de... Enfin, Amon fait vraiment le grand méchant. Et au final, en rejouant à Legacy, en revoyant les interactions, en fait, Amon, comme je l'ai dit, essaye d'attaquer psychologiquement Artanis, mais aussi, il... Alors, clairement, Amon est très, très arrogant et prend de haut tout le monde. En même temps, c'est un Xel'Naga, tous les autres, c'est juste des petites merdes pour lui. Donc, c'est compréhensible aussi. Mais d'un autre côté, en fait, lui-même fait le kéké, on va dire. Mais en fait, Alarak, lui, il a une connexion directe avec Amon quand il est sous Terrazin. Et du coup, je dirais que c'est du faux fuyant. Amon essaye de faire le beau en mode « je suis le tout-puissant, vous allez plier devant moi, etc. » Mais en fait, lui-même a des doutes. Il les montre jamais, ses doutes. Au contraire, il montre l'inverse. Mais au final, Alarak ressent les doutes. Et on reviendra après, plus tard, sur une vidéo où on va revoir les doutes également, et c'est Roana qui va pouvoir avoir cette connexion aussi avec Amon. Mais j'y reviendrai après. En tout cas, Alarak ressent la crainte d'Amon. Il a peur de perdre le contrôle sur les Tal'Darim. Et ça, Alarak, il s'en délecte. Il sentir la peur de son dieu, sentir que lui... son ancien dieu le craint, ça c'est quelque chose, il jubile Alarak, il jubile, et il se prépare pour son duel. Le Rakshir va commencer entre Alarak et Malach. Chacun va avoir les renforts de Tal'Darim. Alors d'un côté on a Alarak qui a le renfort bien sûr d'Edelam, hein, donc d'Artanis, d'Enerazim, etc. On a de l'autre côté donc Malach qui a le soutien de différents lieutenants Tal'Darim, puisque bah, il reste le dirigeant principal des Tal'Darim, et pour le moment les Tal'Darim se disent que c'est Alarak qui est un hérétique, puisqu'il a rejeté Amon, et Amon c'est censé être l'alpha et l'oméga chez les Tal'Darim. De l'autre côté, on a également, bien sûr, du côté de Malach, on a également des hybrides qui vont renforcer Malach et qui menacent tout simplement l'autorité d'Alarak. Donc au final, il y a l'ingérence, on va dire, de deux forces différentes, mais c'est autorisé dans le rituel, donc chacun va renforcer psioniquement son champion. Il y a quand même un point qui est important, il y a une partie des Tal'Darim qui reste neutre, notamment, et donc qui n'intervient pas, qui reste spectateur, notamment, alors c'est pas forcément évoqué, elle est pas trop... On comprend qu'il y a une grande partie des Tal'Darim qui reste en spectateur, vous n'êtes pas obligé d'intervenir directement dans le Rakshir, et une nouvelle fois, eh bien, on soulignera l'absence de Jinara. Jinara qui est le bras droit d'Alarak, qui a toujours été son apprenti, on va dire, et au final... Jinara n'apparaît pas pendant le rituel du Rakshir d'Alarak. Donc, est-ce que Alarak, comme dans la nouvelle, a demandé à Jinara de se mettre de côté et Jinara a obéi à Alarak? Est-ce qu'Alarak, pendant la préparation, etc., a parlé justement à Jinara, ce qui expliquerait aussi peut-être pourquoi la flotte de mort n'intervient pas? Mais bon, Malach normalement est au-dessus, donc il dit attaque, on attaque. Donc, on ne sait pas trop comment ça se passe. Ce qui est sûr, c'est que Jinara n'interviendra pas pendant le Rakshir. Alors, peut-être que rétroactivement, ils diront que Jinara a participé aux côtés d'Alarak, c'est possible. Mais de ce qu'on a vu et par rapport à la nouvelle, je pense qu'Alarak a demandé à Jinara de ne pas intervenir dans le duel. Il y a plus de chances par rapport à ce qu'on sait actuellement que ce soit le cas. En tout cas, mais là c'est de la théorie, on n'a pas de confirmation. Alarak devient donc le haut seigneur, il triomphe finalement de Malach. Ce qui est assez intéressant, c'est que Malach lui dit juste avant de mourir que tu vas mener notre peuple à la destruction. Un petit peu ironique quand on sait ce qui se passe avec Malach. Et Alarak lui dit tu as raison, je les mènerai. Donc, mais il dit pas t'as raison sur un. Enfin il lui dit t'as raison sur un point, je les mènerai. Du coup, Alarak devient le haut seigneur, il passe de premier aspirant des Tal'Darim à haut seigneur, à savoir le dirigeant suprême des Tal'Darim. Et maintenant, la puissance de la flotte de mort, la puissance de l'Empire Tal'Darim est entre ses mains. Et il va diriger bien sûr son bras armé contre Amon. Et là, eh bien, je rappelle que le pacte qui liait Artanis et Alarak était simple. C'était tu m'aideras à renforcer, tu m'aideras à libérer mon peuple. Et comme ça, la flotte de mort qui aurait dû être un de tes gros adversaires, t'as déjà l'armada dorée que tu dois gérer. T'as également la flotte de mort qui pourrait te barrer la route. Donc je te retire une énorme épine du pied. En gros, bah, on retire une pièce sur un combat d'échecs entre Artanis et Amon. On enlève, je sais pas moi,
la tour ou le cavalier tout simplement. Donc c'est quelque chose d'important, c'est un gros coup dur qui est mis à Amon. Mais en fait là il y a un nouveau pacte qui va se... C'était juste ça le pacte à la base. Amon, en gros c'était on enlève la flotte de mort, les Tal Darim ne se battront pas pour toi, mais on se battra pas pour Amon. Il y avait une espèce de neutralité. Mais au final Alarak, on l'a dit, il veut se venger d'Amon et du coup il dit bon bah Artanis, je te propose un nouveau pacte, soumets-toi mon autorité. Et je détruirai Amon, du coup je te rendrai service. Artanis, il se laisse pas faire. Alors vous allez dire pourquoi Alarak pense comme ça. En fait Alarak, pendant toute la campagne de Legacy, pendant toute l'histoire de Legacy of the Void, teste, jauge Artanis, voir si il est aussi faible que ce qu'il pense des Kalaï. Donc en gros sa vision va changer sur les Kalaï, va changer sur les autres Protoss. Il les considère, comme je l'ai dit au début de la vidéo, comme des moins que rien, comme des sous-Protoss en fait. Il considère qu'ils n'ont pas le niveau des Tal Darim. Et il teste un peu Artanis. Il teste, il jauge voir où il peut s'arrêter en fait. Et Artanis lui rentre dedans. Et à chaque fois qu'en fait il y a un conflit entre les deux au niveau oral, eh ben ça fait rire Alarak en fait. Alarak teste, le jauge, Artanis répond et du coup il est content. Il est content, il se dit qu'Artanis n'est pas faible. Bon, faible quand même, hein, pas à sa hauteur, mais pas si faible que ça. Du coup, il y a vraiment un rapport assez intéressant entre les deux. Et au final, Artanis veut l'alliance, mais reste ferme sur ses positions. Il se soumettra pas à Alarak. Ils traiteront d'égal à égal. Et du coup, ça fait rire Alarak. Et il accepte ce traité. Et il considère justement qu'Artanis. Il commence même à se dire qu'Artanis comprend finalement un peu comment fonctionnent les Tal Darim et comment fonctionne la culture Tal Darim. Il faut rester ferme. Et c'est encore une fois assez intéressant dans le. Je dirais dans le traitement. Peut-être pas assez explicité parfois. Mais on voit vraiment aussi comment Artanis passe. Il manque des petits chaînons parfois dans l'évolution, mais on a quand même le Artanis qui doute de ses compétences à diriger les Protoss, un Artanis qui n'a pas peur de la pression psychologique d'Amon, et également qui répond fermement, politiquement et militairement, à Alarak et à ses tests pour ne pas tomber derrière sous l'hégémonie Tal Darim. Donc c'est assez intéressant à ce niveau-là dans le développement d'Artanis, même si je suis d'accord, il manque quelques chaînons pour se rendre compte, c'est au final en rejouant plusieurs fois que tu fais « Ah ouais, il y a ça !» Après, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Personnellement, je pense que redécouvrir plus on joue et plus on redécouvre des choses, pour moi, c'est un signe de bonne écriture. Mais je suis d'accord quand même qu'il manque quelques chaînons, ça devrait pas... nécessité de jouer 17 fois au jeu pour comprendre qu'au final, bah oui, Artanis est en train de prendre confiance, enfin il prend confiance en lui. Pendant ce temps, pendant tous les événements de Slain, donc les Tal Darim sont officiellement dans l'alliance des Delam, temporaire, mais dans l'alliance des Delam pour contrer Amon. Pendant ce temps, bien sûr, hein, j'en parlais juste avant, l'armada dorée, donc la flotte amirale Protoss contrôlée par Amon, hein, je rappelle l'amiral Urun et l'exécuteur Selendis sont sous le contrôle d'Amon à cause du Kala, hein, les cordons nerveux qui relient tous les Protoss d'ailleurs, sauf ceux qui ont coupé leurs cordons comme Artanis bien sûr. Et du coup, eh bien, l'armada dorée continue de vitrifier et de détruire des mondes. Alors quand je dis détruire, hein, je rappelle, vitrifier, c'est tout simplement, il détruit, le monde n'explose pas, pas comme Shakuras où il y a eu une explosion. C'est vraiment, en fait, ils tirent un gros rayon avec tout leur vaisseau, et ça prend du temps, bien sûr, mais en gros, toute la planète va être ravagée, mais sur la surface, en gros. Ça, en gros, c'est un reset du monde, hein, tout simplement. Donc... pour faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune forme de vie qui existe, enfin qui survive. Donc, il continue justement de purger le secteur de Coprulu de toute vie. Artanis et les Delam vont soigneusement esquiver l'armada dorée. Hein. Ils veulent, en fait, pour deux raisons. Déjà, l'armada dorée, comme je l'ai dit dans la partie 1, est trop forte pour la lance d'Adun. Même si la lance d'Adun commence à se doter d'armement militaire avec sa propre flotte, ils sont pas encore de taille pour pouvoir battre l'armada dorée en frontal. Mais aussi, Artanis ne veut pas que... Enfin, on va dire, il sait qu'il y a des Protoss qui vont mourir dans ce duel. Mais il veut y faire en sorte qu'il y ait le moins de pertes possible, évidemment, pour sauvegarder sa race, hein, pour sauvegarder le futur de sa race. Mais du coup, il veut frapper fort. Là, on a enlevé les Tal Darim. Il veut continuer, il veut frapper très très fort. Il ne peut pas s'attaquer à l'armada dorée, qui est probablement l'arme la plus puissante d'Amon. Il a réussi à enlever les Tal Darim. Maintenant, il veut frapper un nouveau coup contre les forces d'Amon, et ça va passer par des informations récoltées par les Nerazim. C'est eux qui donnent, donc c'est Vorazun et c'est Nerazim qui récupèrent pas mal d'informations sur l'avancée de la flotte de l'armada dorée, donc la flotte amirale Protoss. Mais également, ils découvrent quelque chose que Kerrigan n'avait pas encore détruit, parce que Kerrigan a détruit énormément de complexes. Elle les a traqués tous,
Elle a détruit énormément de complexes, donc de complexes de la Fondation Mobius qui abritait les laboratoires créant des hybrides. Mais au final, le laboratoire le plus... Pas forcément le plus gardé, mais en tout cas celui qui est devenu le laboratoire numéro 1 de conception d'hybrides, eh bien, a échappé à Kerrigan. Et c'est les Nerazim, donc les Templiers Noirs, qui vont découvrir sa localisation. Alors là, c'est pareil, c'est une information, on s'en fout, hein, vous n'êtes pas obligé de la retenir. Mais c'est dans la ceinture d'astéroïdes de Revanskar. Et donc dans cette ceinture d'astéroïdes, c'est peut-être aussi pour ça que Kerrigan n'a pas réussi à trouver, alors que les Nerazim sont des voyageurs parmi les étoiles, donc c'est les meilleurs éclaireurs de l'univers de StarCraft. Au final, eux ont trouvé justement la ceinture d'astéroïdes et la fabrique, on va dire, d'hybrides. Bon, c'est plus des laboratoires, ce qui s'appelle le Secteur 6. Et il y a une nouvelle, hein, d'ailleurs, sur le Secteur 6. Elle n'est pas disponible sur ma chaîne YouTube. Peut-être qu'un jour, je la lirai. Mais en gros, voilà, c'est comme ça qu'on a le contingent Mobius. C'est comme ça que des humains ont été contrôlés mentalement par les hybrides. Et ce qui fait que des artefacts Xel'Naga ont été récupérés, ont été assemblés sur place et qui permettent d'accélérer la production d'hybrides. C'est aussi là que des protoss vont être capturés, c'est là aussi que les ergs vont être tout simplement capturés pour créer les hybrides. Et c'est à ce moment-là eh bien, une grosse baston qui va démarrer, hein, un gros combat va démarrer, puisque quand la lance d'Adun arrive sur place, elle peut pas rentrer dans le système, enfin elle peut pas rentrer dans le secteur, c'est une ceinture d'astéroïdes qui protège naturellement du coup le secteur 6, la station orbitale on va dire. Et au final, eh bien, de toute façon, il y a une flotte Terran qui va défendre la fabrique. Et en l'occurrence, c'est donc cet assaut qui va être violent sur la lance d'Adun, probablement le plus violent que la lance d'Adun ait connu jusqu'à présent, avec toute la flotte du contingent Mobius qui va défendre la fabrique. Ils vont lancer un abordage sur la lance d'Adun, et pour ça, pour répondre à cela, eh bien, Artanis, Alarak, Vorazun et tous les guerriers, Talandar également, tous les guerriers vont se rassembler et vont défendre la lance d'Adun face aux incursions Terran. Pendant ce temps, Artanis dit, bah, il faut quand même qu'on attaque, hein, bien entendu, on peut pas rentrer avec la lance d'Adun, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer une partie de notre flotte, notamment, eh bien, les porte-nefs, donc les gros vaisseaux spatiaux Protoss, eux vont pouvoir rentrer dans la ceinture d'astéroïdes, et c'est Karax qui va diriger l'assaut, puisqu'il connaît très bien la technologie Terran, il sait comment gérer ça. Et au final, eh bien, Karax, qui est pourtant de la caste des Kalaï, donc les forgerons, les artisans des Protoss, mais pas un guerrier. Les pilotes, les amiraux Protoss sont des Templiers, ils font partie de la caste des Templiers, ce sont des combattants. Donc c'est assez intéressant parce que là c'est Karax qui, par mesure désespérée, lui n'est pas un combattant, donc n'est pas sur le pont, sur le front dans la lance d'Adun, va diriger justement cette attaque éclair. Le secteur 6 ne s'attend pas, ils ont envoyé la plupart de leurs troupes pour attaquer directement la lance d'Adun, qu'ils jugent forcément comme la plus grande menace. Du coup c'est un raid un petit peu surprise, une attaque surprise qu'envoie Karax, et qui va fonctionner, qui va désarmer, il va détruire tout simplement les noyaux, les générateurs qui justement permettent d'alimenter la construction d'hybrides, mais également il va désactiver les défenses du secteur 6, de la station orbitale. Et à ce moment-là, eh bien, la lance d'Adun, sans pouvoir rentrer. Donc, comme je vous l'ai dit, Karax réussit à vaincre les forces défensives, les faibles forces défensives qui restent, parce que la plupart sont engagées, comme je l'ai dit, contre la lance d'Adun. Et ça va permettre eh bien, de déblayer le terrain. La lance d'Adun ne peut pas rentrer dans la ceinture d'astéroïdes, mais elle va pouvoir armer et tirer tout simplement sur la fabrique et détruire la station orbitale tout simplement du secteur 6. Donc le contingent Mobius est détruit. C'est d'ailleurs au grand dam d'Artanis, puisque Artanis a un grand respect pour la vie humaine. Grâce à Raynor notamment, il a ce respect, on va dire, pour les Terran. Et au final, il regrette le fait qu'il y ait énormément de Terran soient morts dans cette bataille. Et Alarak va se foutre de lui en disant mais pff, on s'en fiche, c'est une sous-race, évidemment. Pendant ce temps, donc, il va y avoir quelque chose d'assez important, c'est qu'Artanis, suite à cette bataille, va abroger, et là c'est quelque chose de très important pour les Protoss, il va abroger les castes, donc le système de castes des Kalaï, donc le système de castes des Protoss d'Aiur. Donc, je rappelle, hein, il y a trois castes dans la société Kalaï, donc les Protoss d'Aiur. Nous avons justement les Kalaï, parce que je rappelle, Kalaï c'est à la fois le nom des Protoss d'Aiur, mais également la plus grande caste, celle qui regroupe les artisans, les fabricants, les ouvriers, etc. On a la caste des Templiers, qui représente la caste militaire des Protoss d'Aiur, et enfin la caste des judicateurs, savoir les juges, les politiciens, les professeurs, etc., etc. Du coup,
C'est vrai que l'abrogation du système de caste est quelque chose de très important et un fait marquant dans la société Protoss. Est-ce que c'est une... Parce que de ce qui est dit, c'est que c'est temporaire. Là, c'est... on est sur la guerre ultime, comme l'avait dit Zeratul, celle où toutes les civilisations seront aux portes de la ruine. Donc, mesure... enfin, temps désespéré, mesure désespérée. Donc on abroge le système de caste pour que chaque personne se joigne au combat. Donc... est-ce que c'est temporaire ou pas? Ça, on n'aura pas la réponse, mais semblerait que ce soit temporaire, mais peut-être que ça peut être étendu par la suite. En tout cas, suite à cette victoire, Amon a pris un nouveau coup dur derrière la tête, et c'est Roana. J'en ai pas trop parlé dans la partie 1 parce que je voulais en parler maintenant, mais Roana, pendant toute la... comme je vous en parlais, il y avait des interactions avec Amon, et bien c'est notamment dû à... la petite Roana, la conservatrice, qui est toujours, comme vous le voyez, au niveau de ses cordons nerveux et de cette espèce de d'halo, d'auréole qu'elle a derrière la tête, qui, je le rappelle, est son système de mémoire. Elle est toujours reliée au Kala, et elle a... les conservateurs sont probablement les Protoss qui ont le meilleur contrôle du Kala. Donc elle ne peut pas tomber en permanence sous la domination d'Amon. Elle arrive à le repousser. Elle arrive à le repousser temporairement. Le problème, c'est que plus Amon prend son contrôle, moins elle a de contrôle sur le Kala, et donc il y a de plus en plus de chances qu'avec le futur, eh bien, Roana tombe totalement sous l'hégémonie d'Amon. Mais à chaque fois, eh bien, elle arrive à se connecter. Je vous parlais d'Alara qui se connecte à Amon grâce à la Terrazine. Eh bien, à chaque fois que Roana est possédée par Amon, Roana arrive à accéder aux souvenirs, également aux émotions d'Amon. Donc ça, c'est quelque chose de très important, puisque... Roana a été possédée plusieurs fois par Amon au cours de la campagne, et là, eh bien, il va y avoir justement une possession très importante et qui va donner des informations supplémentaires, parce que Amon craint, malheureusement, il voit qu'il est en train, même s'il est en train de gagner la guerre, il voit qu'il se passe des choses qui pourraient mettre en doute sa supériorité. Donc on va revoir ça. Je tiens juste à rappeler que Roana, bien sûr, j'ai fait une vidéo sur la nouvelle de Roana qui présente bien le personnage et qui permet justement de comprendre un petit peu le système des conservateurs, mais elle a dans sa mémoire toute l'histoire de la civilisation Protoss. Donc elle a accès, on va dire, au cœur de la civilisation Protoss, et elle a une richesse. Enfin, c'est Wikipédia en version incroyable, comme je vous l'ai déjà dit dans la partie 1. Donc forcément, elle fait partie de la caste des judicateurs, donc c'est des... et elle est... enfin, je rappelle qu'elle a été en stase pendant des milliers d'années, donc elle est assez vieux jeu à ce niveau-là. Ne l'oublions pas, elle est très âgée, Roana, et elle veut préserver le Kala et le système, l'ancien système, on va dire, des Protoss. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de très particulier, et on va pouvoir attaquer la vidéo la concernant, et notamment, eh bien, la possession, l'ultime possession d'Amon. Tu me déçois, Arcanis. Tu cherches à préserver cette existence impure, mais tu ne m'arrêteras pas. Amon, j'ai détruit votre armée Terran, éradiqué votre usine à hybride, et acquis vos serviteurs à ma cause. Il ne me reste plus qu'à vous anéantir. Misérable impudent, tu n'es rien face au salut que j'apporte. Combien d'années sur Ayure et mourrai. Il est parti. Il est tellement arrogant. Pendant qu'il voyait par mes yeux, j'ai pu de même voir par les siens. Sa forme physique est presque achevée, et il attend maintenant notre retour. Il projette d'envoyer la flotte amirale contre nous. Il existe un moyen de l'éviter. Nous devons détruire la matrice sacrée qui alimente Ayure. Sans quoi, nous serons perdus. S'il compte utiliser l'armada dorée pour nous empêcher de détruire son corps, alors vous avez raison. Il est essentiel de détruire la matrice psionique. Votre lien s'est finalement avéré utile, mais il est temps de vous affranchir d'Amon. Tranchez votre lien au Kala. Je devrais renoncer à tout ce que je sais. Ne restez pas enchaîné au passé, Roana. Entrez avec nous dans ce nouvel âge. C'est la seule issue.
Comme vous le voyez, du coup, Roana qui a... Alors, ça n'a pas l'air grand-chose comme ça, mais quand quand vous avez lu la nouvelle, justement, sur... Quand vous avez lu la nouvelle sur Roana, c'est vrai que ce geste est incroyable. Enfin, elle est le passé, elle a, encore une fois, un accès à tellement de ressources que c'est pas n'importe quoi ce qu'elle vient de faire. Hein, parce que quand les autres protos, même quand Artani se coupe du Kala, c'est déjà un sacrifice énorme. Mais un conservateur, c'est se priver des souvenirs de toute l'histoire. Imaginez si nous on avait accès, par exemple, pas aux mémoires de Napoléon, mais à tout ce qu'il a ressenti, les batailles qu'il a gagnées, etc. Donc d'un point de vue militaire, vous avez accès à plein d'informations super importantes, par exemple, de la technologie perdue aussi, avoir accès, par exemple, je sais pas moi, à la pensée, aux émotions de Léonard de Vinci, des plus grands ingénieurs de l'histoire de l'humanité. Enfin, vous avez accès à tout, en fait. C'est monstrueux, et elle se coupe de ça. C'est dire justement aussi, pareil, ce personnage qui était très... on va dire critique à l'égard de la nouvelle société, nouvelle société Protoss, on voit justement un changement également, un développement dans l'arc de Roana qui conduit justement à sa coupure avec le Kala, quelque chose de très important. Et comme vous l'avez vu, eh bien, elle a eu des informations sur l'avatar physique d'Amon. On avait déjà eu un petit peu d'infos là-dessus avec notamment le passage d'Artanis à Ulnar. Mais au final, comme on l'a entendu, l'avatar est quasiment achevé. Donc sur Ayur, je rappelle que c'est tout simplement le corps de l'Overmind ainsi que les Protoss eux-mêmes qui sont capturés, qui sont captifs à cause du Kala, qui n'ont pas pu couper leur cordon nerveux justement lors de l'invasion d'Ayur. Ça représente une très grande partie, une très grande majeure partie, enfin c'est la grande majeure partie des Protoss qui sont toujours captifs sur Ayur. Et ils se servent d'eux ainsi que du corps, de la carcasse de l'Overmind pour créer ce corps, ce nouveau corps, donc cette espèce de super hybride qu'il pourra habiter. Et on a entendu parler justement de la matrice psionique. Petit rappel, la matrice psionique, qu'est-ce que c'est la matrice psionique? C'est cette espèce de relais de transport donc, et d'informations également des Protoss qui permet tout simplement à des flottes de franchir des distances très éloignées beaucoup plus rapidement que juste en faisant voilà, un saut en hyperespace. Donc il faut faire une frappe, encore une fois. On s'en rend peut-être pas trop compte parce qu'il y a l'armada dorée et notamment pendant un moment la flotte de mort des Tal'Darim qui attaque, mais Amon est en train de gagner la guerre. On a peut-être un manque dans le jeu malheureusement de ce besoin d'aller vite, mais au final Amon va gagner la guerre. Sur la durée, il va gagner la guerre. Donc il faut frapper très très vite. Et le corps, encore une fois, l'avatar d'Amon n'est pas encore complètement terminé. Quand il le sera, ce sera très très compliqué, hein, bien sûr. Donc là, on a un peu un côté Lovecraft, hein, avec la libération d'un grand ancien, évidemment. Donc il faut frapper vite, il faut frapper vite. Alors bon, l'avatar d'Amon, c'est qu'une partie de la puissance d'Amon, mais c'est quand même une très très grande puissance. Et je rappelle d'ailleurs que Amon, pour ceux qui ont oublié les premières vidéos dans le cycle éternel notamment, Amon n'a plus de forme physique, puisqu'il a été vaincu par ses frères Xel'Naga lors de la grande bataille autour de Zerus, qui est la planète mère des Zergs, et il a été vaincu notamment aussi un peu par les Zergs, mais surtout par ses adversaires Xel'Naga. Donc, au final, il n'a plus de forme physique, et c'est pour ça que Narud avait travaillé sur le système d'hybride, pour lui donner potentiellement un corps. Et là, c'est le super hybride, tout simplement. Donc il faut le détruire. Maintenant, il faut faire en sorte que l'armada dorée n'arrive pas à temps, puisque si l'armada dorée arrive à temps, bah c'est game over, comme vous l'avez entendu, c'est game over. Si l'armada dorée arrive, elle est beaucoup trop puissante pour la lance d'Adun et ce sera terminé, Amon aura remporté la partie. Donc, c'est le retour des Templiers justement sur Ayur. Ils doivent frapper fort et vite, comme je vous l'ai dit. Et alors, c'est pas tout à fait la matrice défensive, mais je trouvais que cet artwork était magnifique. C'était magnifique tout simplement pour vous montrer un peu le principe de relais, des relais justement de la matrice. Donc, voilà, c'est pas du tout ça, mais c'est pas grave, c'est... pour vous donner une image, on va dire, plus intéressante. Donc, comme je l'ai dit, ils vont essayer de détruire la matrice psionique qui est supportée par trois cristaux, des mégalithes, qui sont tout simplement des générateurs, hein, des points de relais qui permettent d'alimenter la matrice. Au final, la lance d'Ahadun arrive en orbite autour d'Ayur, et là, faut pas oublier aussi, j'en parlais tout à l'heure, il va y avoir une bataille spatiale qui va s'engager, que l'on ne voit pas. On le sait que la bataille spatiale a lieu entre la lance d'Ahadun et les Zergs. Ils vont s'affronter directement, donc la flotte en gros Zerg qui est en orbite autour, donc les Zergs sauvages attaquent en orbite la lance d'Adun, donc elle ne peut pas intervenir directement et du coup ils vont devoir faire des frappes chirurgicales très rapides pour pouvoir détruire les différents relais, les différents cristaux
qui alimente la porte. Donc ils vont détruire ça. Et on va envoyer du coup les différents héros sur certaines positions. Et notamment, moi, ce que, moi, franchement, la partie la plus intéressante, je trouve, de cette mission, c'est Vorazun et Alarak. Vorazun et Alarak. Et c'est également un moment très fanservice, puisque sur Ayur, on a, pour le moment, dans les missions qu'on avait faites, on n'a pas été dans des endroits importants. Là, c'est le moment un peu fanservice où on va nous envoyer sur des endroits connus d'ailleurs. Il n'y en a pas tant que ça, des endroits connus d'ailleurs. Et sur les trois cristaux, il y en a deux qui sont dans des endroits que l'on connaît grâce à l'univers étendu ou juste grâce à StarCraft 1. Alarak et Vorazun d'ailleurs vont dans l'endroit le plus connu probablement par les joueurs Protoss de StarCraft 1, à savoir Antioche, qui était la capitale militaire, pas forcément la capitale politique, mais la capitale militaire avec la citadelle de l'exécuteur. Donc c'est le QG militaire de l'Empire Protoss, et c'est l'endroit où Tassadar habitait en fait, hein, tout simplement, en tant qu'exécuteur, que par le passé Adun avait habité. Et c'est cette capitale qui avait aussi vu la perte de Phoenix. Donc c'est quelque chose, c'est un endroit qui est très important et chargé d'histoire pour les Protoss. Et Vorazun et Alarak qui sont opposés depuis le début. Alors il y a certes une opposition Artanis et Alarak, mais il y a également une grosse opposition entre Vorazun et Alarak, puisqu'ils se détestent, hein. Ils se tirent dans, ils s'envoient des pics en permanence. Et c'est le moment où ils vont agir de concert, s'impressionner mutuellement au final, malgré leurs doutes et leur rivalité mutuelle. Et au final ils vont s'impressionner mutuellement. Alarak se rend compte que Vorazun n'est pas inutile, donc il la respecte un petit peu. Et Vorazun, elle, va se rendre compte qu'Alarak, bah, il rigole pas, il est très sérieux, malgré qu'il soit ultra arrogant, il est très sérieux et il ne rigole pas. Et j'adore cet artwork d'ailleurs. On a ensuite du coup Karax et Talandar qui vont en faire de même et détruire un autre mégalithe. Alors lui par contre, c'est le seul endroit, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner, parce que c'est le terrain en gros, c'est le terrain d'entraînement des Protoss. Mais alors lui, je ne sais pas du tout ce que c'est, je ne sais pas si ça fait écho un livre ou quoi de l'univers étendu. Je pense que c'est juste un endroit random, mais j'en sais rien. Vu que les deux autres sont très fanservice, je sais pas si celui-là c'est random ou pas. J'ai cherché, j'ai rien trouvé, donc si jamais vous avez des infos, n'hésitez pas. En tout cas, la troisième mission, c'est Artanis. Enfin, le troisième cristal, c'est Artanis qui y va. Et c'est pas n'importe où, c'est dans les cavernes Xel'Naga, donc c'est sous Ayur. Et là, les cavernes Xel'Naga, on pouvait les voir notamment dans la saga du Templier Noir. C'est tout un réseau qui date d'il y a très 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 longtemps, lors de la création des Protoss et lors le début de l'ère des Protoss. Eh bien, nous avons les cavernes Xel'Naga où, tout simplement, Artanis sera aidé de tout le monde pour détruire le dernier mégalithe et ainsi écraser tout simplement le système de relais et tout simplement détruire la matrice pour retarder l'arrivée de l'armada dorée encore une fois. Donc on a cette possibilité. Donc les cavernes Xel'Naga, encore une fois, c'est aussi un endroit fanservice, mais il est plutôt bien fait parce qu'on n'insiste pas trop dessus. On aurait pu insister plus, notamment avec Tassadar, parce que quelqu'un qui n'a pas joué à StarCraft 1, au final, il se rend pas compte de ces endroits là donc c'est un petit clin d'œil, mais c'est assez cool pour ceux qui connaissent bien, qui ont joué à SC1, et ceux aussi également qui connaissent un peu l'univers étendu. Donc c'est plutôt une bonne chose. Au final, les troupes qui ont été envoyées pour détruire la frappe chirurgicale, qui ont détruit les cristaux, vont être rappelées sur la lance d'Adun. Pendant ce temps, parce qu'encore une fois, il y a vraiment l'idée d'urgence et l'idée de frappe rapide. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'au final, Amon, là, il commence vraiment à craindre pour sa vie. Il va une dernière fois, on va dire, taunt, hein, il va essayer de provoquer Artanis. Et Artanis va envoyer ses troupes directement, alors que l'avatar d'Amon est quasiment fini. Et les troupes, donc, ça y est, sont enfin sur Ayur et vont attaquer les différents piliers qui alimentent le corps, cette fois-ci, d'Amon. Et ils vont, eh bien, détruire les barrières du vide qui protègent le corps d'Amon. Et à ce moment-là, eh bien, nous aurons tout simplement une frappe. Là, c'est le moment vitrification où il va y avoir Cybros en orbite, la lance d'Adun, la flotte de mort, enfin tous les vaisseaux Protoss qui vont tirer à un endroit spécifique. Ils vont tout balancer, ils vont balancer toute la sauce une fois que la barrière du vide a été détruite. Parce qu'encore une fois, bah, l'avatar d'Amon était protégé, mais pas militaire. Enfin, il y avait, bien sûr, il avait ses propres troupes, mais ça n'a pas suffi. Et au final, eh bien, là, il va prendre le feu de Dieu, hein, dans la tronche, et l'avatar d'Amon va être détruit. Et ça, c'est quelque chose de très important. En tout cas, le réseau de transfert, donc, a retardé l'arrivée de l'armada dorée, bien sûr, je vous l'ai dit. Je vous ai parlé de la défaite du corps d'Amon. Maintenant, eh bien, c'est l'heure de la reconquête. C'est l'heure de la victoire pour Ayur, tout simplement. Écoutez-moi bien, car il nous reste peu de temps. Tout ce qui reste de notre race et de notre civilisation, c'est ce que vous voyez autour de vous.
et ceux qui ont été corrompus sur la surface de ce monde. Notre peuple était autrefois le protecteur d'une galaxie pleine de promesses. Nos divisions et notre orgueil nous ont fait faillir à cette tâche sacrée et nous ont conduits à la ruine. Le Kala, conçu pour nous offrir l'unité, a fini par accentuer ces divisions. Son espoir était mensonger. Aujourd'hui, ce mensonge doit cesser. Et avec lui, nous devons faire de nos préjugés et de notre arrogance des choses du passé. Car nous combattons maintenant pour démontrer que notre histoire n'est pas achevée. Que les Protoss peuvent se rallier autour de l'idée d'union. Que les Protoss sont capables de fonder une nouvelle grande civilisation. Faites-vous confiance dans le combat qui s'annonce. Frappez avec la même volonté. Que notre dernière bataille laisse une trace si brillante que quelle qu'en soit l'issue, nous ne soyons pas oubliés de toute éternité. Alors personnellement, je trouve ce discours incroyable. Je pense même qu'il est très sous-estimé. Mais la fin est très bizarre. Là, j'ai rien coupé, hein. C'était vraiment la fin de la vidéo. Et la fin est très bizarre parce que il fait un discours, mais incroyable. Et à la fin, il y a tout le monde qui fait « Ouais, pas terrible, hein. » J'avoue que c'est le moment un peu triste parce que l'émotion est là. Le discours est incroyable et certains ne l'ont probablement même pas noté. Mais il y a des parallèles qui sont faits avec le discours d'Artanis sur la mission justement uchronique au final dans la vision de Zeratul dans Wings of Liberty lorsqu'on assiste au crépuscule des dieux, on va dire l'ultime bataille des Protoss contre Amon. Eh bien il y a justement des lignes de dialogue de ce moment là qui ont été reprises dans ce discours d'Artanis lorsque la reconquête d'ailleurs va partir, et le message d'union des Protoss, la nouvelle grande civilisation, revenir à l'époque du firmament de la civilisation Protoss, mais cette fois en acceptant tous ceux qu'on avait mis de côté, que ce soit les Tal'Darim, les Nerazim, les Purifiers. Donc il y a vraiment cet idéal Protoss, donc le discours est magnifique, et encore une fois les petits échos, si vous ne les aviez pas notés, moi-même je ne les avais pas forcément tous remarqués, mais par exemple la dernière ligne c'est totalement une reprise. Donc on reparle de ce qu'on avait déjà évoqué par le passé, je trouve que c'est assez sympa. C'est pour nous montrer en fait que c'est l'ultime bataille, c'est vraiment le crépuscule des dieux comme on l'avait joué dans la vision de Zeratul, sauf que cette fois-ci, eh bien, les paramètres ont changé. On n'a pas le soutien de toutes les forces Zerg et toutes les forces Protoss, les Tal'Darim cette fois sont de leur côté, Kerrigan est vivante, etc. Et justement, eh bien, on va assister à cette fois-ci. Cette fois-ci la bataille finale bien sûr, qui ne sera comme je l'ai dit pas avec les mêmes paramètres et qui va permettre tout simplement aux Protoss de tenir bon cette fois-ci avec la défense des Delam qui va s'organiser à la fois en orbite et en force terrestre, puisque le but maintenant que le corps d'Amon a été détruit, maintenant que l'avatar d'Amon a été détruit, Amon reste toujours présent dans le Kala comme quand il n'avait pas de corps. Donc ce qui va être fait tout simplement, c'est, je le rappelle, la clé Xel'Naga qui avait servi dans StarCraft 1, dans Earth of the Storm. Alors dans Earth of the Storm, elle a moins servi, mais elle a servi quand même. Référence à la cinématique de fin, bien sûr. Et dans Legacy of the Void, elle est très importante puisqu'elle va permettre en fait d'absorber la présence d'Amon et de la rééjecter dans le vide. Donc c'est pour ça en fait que pendant toute la campagne de Legacy of the Void, je vous ai parlé de l'énergie du vide qui devait alimenter la clé Xel'Naga sur Ulnar et sur Slayne. Eh bien là c'est pareil, autour d'Ayur, l'énergie du vide est très présente. Amon a commencé à créer des portails avec le vide. Il n'est pas resté inactif, hein, il a créé des portails dans le vide. Et donc maintenant, eh ben, c'est vraiment l'ultime bataille avec tous les Zergs sauvages qui restaient sur Ayur, qui sont bien sûr contrôlés par Amon, mais ce n'est pas des Zergs de Kerrigan pour bien faire la distinction. Donc c'est le moment vraiment de combattre. Alors certains restent sur la défense au sol, d'autres restent en orbite sur la lance d'Adun. On a les forces au sol avec Artanis, avec Vorazun qui dirige les Nerazim, Artanis qui dirige les Kalai, on a Karax qui dirige une partie des Purifiers, et on a enfin Alarak qui est avec ses Tal'Darim sur le sol. Mais en orbite, on a Talandar avec Cybros, la station orbitale des Purifiers, et une partie des Purifiers qui ont protégé la lance d'Adun, l'autre partie plutôt des Purifiers qui ont protégé la lance d'Adun. Et on a également Roana
qui va garder des Templiers et tout simplement la flotte des Délames en orbite pour défendre la lance d'Adoun. Et c'est à ce moment-là, bien sûr, donc l'objectif c'est tout simplement de temporiser. Ça fait également écho à la dernière mission de Wings of Liberty où il fallait libérer Kerrigan. Bah là, c'est pas libérer Kerrigan, c'est dégager Amon, comme je vous l'ai dit. Donc c'est exactement le même système. On a la clé Xel'Naga que l'on doit protéger, tout simplement le temps qu'elle puisse s'activer. C'est un artefact Xel'Naga, donc ça met pas mal de temps avant de pouvoir relâcher l'énergie. Ça demande pas un rituel, c'est pas non plus un rituel, mais ça met un petit peu de temps avant l'activation. Et du coup, eh bien, il va falloir défendre la clé pendant que vous avez toutes les forces de la planète qui arrivent sur la position, puisque Amon sent qu'il va être booté, il comprend le plan, il sait ce que veut faire Artanis ici. Il l'a déjà vu puisque c'était le système qui lui avait permis de revenir avec, avec Wings of Liberty. Donc il craint pour lui. Donc là il envoie tout, imaginez tous les ergs de la planète qui partent instantanément sur la position. Parce que depuis tout à l'heure c'était des frappes chirurgicales. On va détruire les cristaux, on se téléporte. On va détruire le corps d'Amon. Bon lui il était quand même lourdement protégé, mais on va pouvoir détruire tout ça. Défense. Donc là il y a vraiment toutes les forces Protoss contrôlées par Amon, et ça représente un bon bout de la civilisation Protoss, parce que je rappelle ils ont tous été récupérés lors de la première invasion qui a été ratée, et également tous les ergs qui restent, les ergs datant de l'époque de l'Overmind de SC1. Donc il y a toutes ces forces qui débarquent, plus d'autres renforts et bien évidemment qui peuvent arriver par les portails d'Amon. Bon ceux-là ils ont été fermés lors de la mission précédente, mais c'est quelque chose, il faut imaginer qu'il y a vraiment des forces et des forces et des forces qui défilent pour aller percuter les lignes défensives des Délames, des Protoss unifiés. Donc la bataille va faire rage au sol, comme je l'ai dit, mais aussi en orbite, parce qu'à ce moment-là, eh bien, ça y est, la menace ultime, je dirais, de Legacy of the Void revient. L'armada dorée, la flotte amirale Protoss est de retour. Elle arrive sur Ayur, et donc la lance d'Adoun, encore une fois, va devoir... Il y a vraiment l'idée de position défensive au sol, mais aussi en orbite. Ils savent très bien qu'ils pourront jamais tenir contre l'armada dorée, mais ils vont essayer de gagner le plus de temps possible pour permettre à la clé de dégager Amon du Kala. Donc à ce moment-là, le combat. Alors ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas bien sûr de vision. Moi, comme pour Earth of the Swarm, j'aurais voulu voir justement cette bataille spatiale entre l'armada dorée. Imaginez la plus grande flotte Protoss jamais assemblée face au plus grand vaisseau Protoss jamais assemblé, ainsi que Sibros et la flotte de mort des Tal'Darim qui se rentrent dedans. Ça fait... C'est tout simplement la bataille de la revanche des Sith en termes d'ampleur, en termes d'épique. Donc c'est vrai qu'on aurait aimé voir ça, mais malheureusement elle sera hors scène, hors écran, hors champ. Et c'est bien triste. Et pendant cette bataille, Celendis, donc qui je le rappelle est l'exécuteur des forces, enfin l'exécuteur des Protoss, mais qui est toujours possédé par Amon, va réussir à percer les lignes défensives en orbite des Délames. Et elle va envoyer ses forces sur le sol, sur Ayur tout simplement, pour essayer de percer le blocus défensif des forces Délames, des forces d'Artanis. Donc pendant ce temps, là c'est une théorie personnelle, mais pendant ce temps il y a toujours une partie de l'armada dorée qui est en train d'attaquer la lance d'Adoun. Et petit à petit la lance d'Adoun d'ailleurs est très fragilisée, a subi des lourds dommages, donc elle ne peut plus vraiment renforcer au sol, aider au sol Artanis. Donc ma théorie c'est que Celendis va diriger l'assaut finalement au sol, notamment depuis son vaisseau mère. Mais pendant ce temps, en orbite, qui dirige? C'est probablement Urun, qui est l'amiral en chef des Protoss. Donc c'est probablement lui qui continue la bataille spatiale. Mais pour le moment, on n'a pas les éléments, malheureusement, Urun ayant été oublié à Legacy of the Void. Donc, la clé Xel'Naga, encore une fois, on essaye de temporiser un maximum pour la défendre. Et au final, la clé Xel'Naga va s'activer et va permettre de relâcher son énergie afin d'aspirer Amon du Kala et pour essayer de le rejeter, tout simplement, dans le vide. Le problème c'est que pour ça il faut que le Kala soit totalement déconnecté, donc il faut que tous les Protoss d'Ayur coupent leur cordon nerveux. Artanis et les Délames leur ont offert juste un temps, tout simplement une fenêtre pour pouvoir se libérer d'Amon et pouvoir relâcher Amon dans le vide, et on va pouvoir regarder ça tout de suite. Écoutez-moi.
Bendis. Templiers, débarrassez-vous d'Amon. Tranchez vos cordons nerveux. Nous sommes unis dans le Kala. Sans le Kala, qu'allons-nous devenir? Libre. Mensonge. Croyez-moi. Le maître noir a été banni. Il est retourné au vide. Pour le moment, nous sommes libres. Tout cela, nous vous le devons. Je donnerai forme à notre grand rêve d'unification des Protoss. Nous allons rassembler les survivants. Rebâtir nos cités. Débarrassés de nos divisions archaïques, nous fonderons une nouvelle société. Ensemble, nous façonnerons notre destin parmi les étoiles. Alors, ce qui est assez... Alors, cette cinématique est très belle avec les deux parties. La première, vraiment guerrière, on voit la fin de la bataille. Et pour la première fois de Legacy of the Void, on a enfin une Celendis intéressante et au premier plan, bien sûr. Où on voit justement Celendis qui croit en son mentor. Artanis lui donne le temps pour pouvoir tout simplement l'écouter. Elle est enfin libre d'Amon, mais si elle ne coupe pas son cordon nerveux et que les Protoss qui la suivent restent connecté au Kala, eh bien Amon revient instant en fait. Donc elle a une courte fenêtre et elle croit son mentor évidemment, elle croit en Artanis. Artanis la rassure parce que bah, pour Celendis et pour tous les autres Protoss, ils n'ont connu que le Kala. Donc imaginez que c'est très difficile pour eux de couper leur cordon nerveux volontairement. C'est se couper, encore une fois, le Kala pour les Protoss, c'est la lumière. La lumière du Kala, le savoir, l'harmonie. On les a éduqués en leur disant que sans le Kala, ils ne sont plus rien et ça deviendra, ils deviendront tout simplement des barbares qui s'affronteront mutuellement et que enfin, du coup le Kala est l'absolu en fait. Donc se couper du Kala comme ça, ça semble être rien, mais au final c'est quelque chose de très important. Et là on voit que vraiment le front pur, mais il faut imaginer. Bien sûr, alors malheureusement on y reviendra après dans la critique de Legacy of the Void en fin de vidéo, mais... Là, on ne voit que l'endroit où il y a Celendis, une partie des Protoss corrompus, je dirais, à cause du Kala, qui se coupe du Kala. Mais en fait, faut pas oublier que les Protoss sont connectés tous les uns aux autres, avec ou sans Kala, avec le Kala bien plus que sans le Kala, mais ils peuvent tous se parler. Et du coup, le moment où, justement, Celendis coupe ses cordons nerveux et montre l'exemple aux autres, eh bien, faut imaginer que tous ceux qui sont en orbite font de même. Tous se coupent les cordons nerveux. Et c'est ce qui va faire que tout le monde relâche l'énergie. Amon va être rebalancé et la clé va servir de redirection entre la réalité et le vide. Sauf que la dernière fois c'était pour récupérer l'énergie de la Reine des Lames, donc de Kerrigan, pour permettre à Amon de revenir plus vite. Cette fois-ci c'est dégager Amon, retour dans le vide mon coco. Donc c'est ça le ici qui est fait. En tout cas,
Ça, c'était la première partie, bien sûr, de c'était la première partie de la vidéo. La deuxième partie où on voit cette timelapse, bien sûr, il y a l'hommage à Zeratul qui est très émouvant. Hein. L'hommage à Zeratul fait très plaisir, parce que c'est Zeratul qui a permis, au final, à tout ça d'avoir lieu. Et on a justement cette timelapse où on voit justement le temps s'écouler assez vite, où on voit Ayur se reconstruire et pouvoir, eh bien... relancer justement cette nouvelle ère d'harmonie et de grandeur chez les Protoss, où cette fois-ci, eh bien, alors on ne sait pas si ça va garder le terme d'Elam, mais en tout cas, les Protoss unifiés avec Artanis et les Kalaï d'Ayur, Vorazun et les Nerazim, donc les Templiers Noirs, les Purifiers. Pour ce qui est des Tal'Darim, on y reviendra après, mais petit déjà bémol, donc c'est la fin de la campagne des Protoss de Legacy of the Void. Les Protoss ont récupéré enfin Ayur, quelque chose qu'on attend depuis bien sûr Starcraft 1. Donc c'est quelque chose de très important et d'historique et de mémorable pour les Protoss. Le bémol que je peux déjà évoquer, c'est qu'on n'est pas de CGI en fait. La fin de cette cinématique, Wings of Liberty, la fin en CGI était modeste puisque c'était un endroit confiné, c'était dans la ruche entre Kerrigan, Arthas, Raynor et Tychus. Mais voilà, elle était belle, surtout avec la fin où on voyait Raynor repartir avec Kerrigan dans ses bras. La plus belle cinématique de fin, clairement, je pense qu'on va mettre tout le monde d'accord, c'est Heart of the Swarm, avec Kerrigan qui affronte les forces d'Arcturus Mains, et finalement le duel entre Arcturus Mains, on voyait la clé Xel'Naga justement, qui encore une fois a été utilisée. Et là, on a eh bien, une cinématique avec le moteur du jeu, ça fait cheap, ça fait un petit peu faible, sachant que c'est censé conclure tout l'arc des Protoss depuis ST1, donc c'est vrai que c'est un peu triste. Et j'aurais aimé voir un duel Selendis-Artanis justement en CGI, on aurait aimé voir ça, et on aurait pu voir par exemple des échanges de tirs entre les forces pour Protoss qui s'arrêtent à ce moment-là, et on voit eh bien tous les Protoss, on va dire d'ailleurs, qui se coupent le cordon nerveux, enfin leur cordon nerveux. Donc c'est vrai que là-dessus j'ai eu une petite déception, parce que en fait les Protoss, malgré que cette histoire soit superbe, le fait que l'épilogue que je vais évoquer après va lui boucler vraiment toute la saga Starcraft, ça fait un petit peu comme si bah, les Protoss passaient un peu en second plan, avec les Terran qui ont eu leur fin, bien sûr avec leur arc narratif, après l'arc narratif des Terran se termine aussi avec l'arc narratif des Zerg, mais Heart of the Swarm, on a vraiment une fin complète, avec une très belle fin, où là on se dit ah magnifique, c'est vraiment, et qui préparait aussi Legacy of the Void, et là la fin des Protoss, bah, c'est cool, on est content, mais c'est vrai qu'il manque un petit truc, et... Je peux déjà vous l'expliquer un petit peu pourquoi on n'a pas de CGI. C'est le temps. Il fallait boucler SC2, c'était très important. Il y avait déjà eu du retard sur la sortie d'Heart of the Swarm, il y avait eu du retard sur Legacy. Legacy, je rappelle que Starcraft 2, c'est 2010. Ça faisait un moment hein, qu'on en parlait de Legacy of the Void, et il y a eu beaucoup de retard et autres. Et c'est aussi pour ça que bah, la fin, il y a un peu... Alors pas en termes d'écriture, mais en termes de mise en scène, c'est vrai qu'il y a un petit sentiment de pas de bâclé. Mais en fait, elle aurait pu être vraiment quasi parfaite. C'est jamais, on ne peut jamais atteindre la perfection. Mais vraiment une très très belle fin, que ce soit pour les Protoss ou pour SC2. Et au final, on sent qu'avec le manque de temps, le manque de... Parce que c'est pas un manque de moyens, c'est vraiment un manque de temps. Eh bien, on n'a pas pu avoir des cinématiques aussi abouties qu'on a pu voir à Heart of the Swarm et Wings of Liberty. Et je trouve que personnellement, ça manque. En tout cas, Amon est vaincu, mais pas détruit, puisqu'il est de nouveau... sans enveloppe physique, cette fois il n'y a pas le Kala pour l'abriter, donc il est repoussé dans le vide, mais bien sûr, eh bien, ça ne suffit pas, et on va pouvoir attaquer l'épilogue de Legacy of the Void, la fin de l'arc Starcraft 1 et Starcraft 2, avec Kerrigan qui va contacter le Dominion et les Delames, puisque ça y est, la guerre ultime est quasi terminée, en tout cas dans notre réalité, les forces d'Amon sont en déroute, les Tal'Darim bah, ne sont plus sous ses ordres, il n'a plus le centre des hybrides, donc maintenant bah, il reste bien sûr des forces d'Amon, mais elles sont mises en déroute assez rapidement. Et les Kalaï, tous les Protoss sont libérés de l'influence d'Amon, donc il a quasiment plus de sbires. Tous ses sbires sont dans le vide au final. Donc même les Zergs d'Ayur sont repoussés par l'union des Protoss, donc au final il n'y a plus grand chose pour Amon. Donc c'est le moment justement où eh bien... les Protoss et les Terran vont répondre à l'appel de Kerrigan et on va pouvoir attaquer ça, et bien tout simplement, dans une nouvelle vidéo. Nous avons assez attendu dans ce lieu maudit. Si la Reine des Lames voulait vraiment nous parler, elle serait déjà ici. Elle ne nous fera pas faux bond, Selendis.
Si elle a dit que c'est important, tu ferais mieux d'y croire. Faire confiance à cette prêtresse n'est pas très naturel pour moi, commandant. Quel manque de foi pour un Templier ? Artanis ? Jim ? Qu'est-ce qui se passe, Sarah ? Qu'est-ce qu'il y a de si urgent pour nous faire tous venir ici ? Amon est vivant. Sa haine prend racine dans le vide. Et il prépare déjà son retour. Même maintenant, j'entends une voix qui m'appelle. Il pourrait s'agir d'une tromperie de notre grand ennemi. Cette voix, ce n'est pas la sienne. Il y a autre chose là-dedans. Un être tourmenté et désespéré, mais bienveillant. Amon récupère sa puissance petit à petit. Il sera peut-être incapable de revenir de notre vivant, mais il reviendra. Et que suggérez-vous de faire, Kerrigan ? Il y a un portail vers le vide au sein d'Ulnar. Je compte le franchir et détruire cette menace une bonne fois pour toutes. J'ai besoin de votre aide. Sarah a raison. On ne peut pas laisser traîner nos déchets. C'est à nous de finir de faire le ménage. Zeratul avait prédit que ce jour viendrait. Nos lames sont à votre service, Kerrigan. Donc là, comme vous le voyez, hein, Ulnar qui sert de relais avec le vide, et ben là, ça devient carrément le portail du vide avec l'activation d'Ulnar. Et alors, j'en profite pour faire un petit aparté, mais ça fait plaisir. Mine de rien, ça fait plaisir. On a les retrouvailles avec justement eh bien, la conclusion de StarCraft. Il faut qu'il y ait les Protoss, il faut qu'il y ait les Terran, il faut qu'il y ait les Zerg. Kerrigan qui gère les Zerg, pas de problème. Raynor qui gère les Terran, pas de problème. Et on a du coup côté Protoss. Enfin, Selendis aux côtés d'Artanis, comme à l'ancienne. Alors, Selendis apparaît encore une fois comme une garce, hein, bien entendu. Même si là, pour le coup, contrairement au passage avec Zeratul, là c'est logique, c'est compréhensible, puisque elle se méfie de Kerrigan. Kerrigan est la reine des lames, mais faut pas oublier que Kerrigan a trompé tous les Protoss, et notamment Selendis, qui était l'exécuteur déjà à Brood War, et surtout Artanis, puisqu'elle avait manipulé les Protoss. Je vous laisse aller voir la vidéo sur StarCraft 1 Brood War, hein, mais elle a manipulé tous les Protoss, donc il est logique que Vorazun ait encore des doutes à l'égard de Kerrigan. Et elle, bah, elle était contrôlée par Amon, elle n'a pas pu voir par exemple les missions sur Ulnar où Artanis a fait la paix avec Kerrigan. Donc au final, que Selendis ait des doutes en l'égard de Kerrigan, c'est tout à fait cohérent, tout à fait logique. Mais moi, ce qui me fait mourir de rire, c'est que... Donc le début est tout à fait légitime. Au début, c'est Selendis qui a des doutes à l'égard de Kerrigan. Quand elle revient, Kerrigan qui lui fait le petit pic en mode quel manque de foi pour un Templier. Et je crois un nouveau truc, c'est Selendis. Et à la fin, enfin, pendant l'explication de Kerrigan en mode Amon revient, etc. Il va nous bloquer. Et ben là, elle fait Selendis dit c'est peut-être une tromperie de nos grands ennemis. Alors le grand ennemi, c'est les Zergs. Hein. C'était déjà une dénomination qui était donnée à StarCraft 1. Le grand ennemi, c'est pas Amon, hein. C'est les Zergs. Donc c'est Kerrigan. Donc, on a tout un speech où c'est oui, c'est Amon, etc. Il est pas tout à fait vaincu, on l'a battu, mais il est encore présent. Alors je veux dire, le simple fait d'utiliser Amon, Selendis, elle devrait avoir la haine en mode on va le poutrer. Et là, à ce moment-là. Elle a encore des doutes, elle a dit non, c'est Kerrigan. Donc, et ce que j'adore, c'est qu'il n'y a même pas d'interaction derrière, parce que c'est même pas ça qui me fait rire, parce qu'en soi, encore une fois, qu'elle ait des doutes à l'égard de Kerrigan, pourquoi pas. Mais ce que j'adore, c'est que Raynor et Artanis ne prêtent même pas attention à ce qu'elle dit. Ils s'en foutent complètement. Donc, ça fait encore passer Selendis pour celle qui chiale pour rien. Donc, c'est vrai que c'est un peu, je trouve ça un peu pitoyable à ce moment-là. Mais pour le coup, cette fois, c'est totalement cohérent que Selendis ait des doutes à l'égard d'Amon.
Pardon, Damon, de Kerrigan. Donc, les Protoss, les Zergs, les forces coalisées, donc les forces Protoss, les forces Zergs et les forces Terran vont ensemble rentrer dans le vide, combattre Amon, comme vous l'avez vu dans la cinématique précédente. Ils vont alors, à ce moment-là, débarquer dans le vide et ils découvrent un petit peu, enfin, ils découvrent un monde qu'ils n'ont jamais vu. Seuls, enfin, même les, au final, les, j'allais dire les Templiers Noirs connaissent un petit peu le vide, mais sont jamais, n'ont jamais vraiment pénétré ces endroits-là. Donc, personne. Enfin, ils découvrent tout simplement un autre monde, enfin un autre monde, une autre réalité alternative, et du coup ils se disent. Alors quand je dis réalité alternative, c'est une dimension parallèle en fait, pas une réalité alternative. My bad, ça va donner des mauvaises idées, mais une dimension parallèle, hein, le vide où la gravité ne fonctionne pas pareil, les lois de la physique ne fonctionnent pas pareil, donc c'est vrai que c'est un peu perturbant. Et encore, les Protoss et les Zergs ont de l'imagination, les Terran, eux, ça doit leur faire un choc. Hein. Le bouseux du coin qui s'est engagé à rejoindre les rebelles de Raynor. Il rentre là-dedans, il doit faire sans compter les murmures d'Amon qu'il doit entendre. Alors Amon est dans une version fragilisée bien sûr. Alors il est dans le vide, donc il est quand même assez fort et très puissant là-bas, mais il vient de prendre un sacré coup sur la tête, donc il n'est pas au summum non plus de sa puissance. Et ses forces, eh bien, vont regrouper des Zergs, des hybrides bien entendu, et des Protoss qu'ils avaient récupérés. Les dernières forces d'Amon en fait sont dans le vide. Et au final, eh bien, les forces Terran, Zerg et Protoss vont s'opposer à un commandant d'Amon, et pas n'importe qui, à savoir Narud, Emile Narud ou Samir Duran, à savoir eh bien, le trompeur, le change-forme, celui qui avait trahi pas mal de monde et que Kerrigan avait tué dans Heart of the Storm, sauf qu'il l'avait tué pareil, hein, c'était qu'un avatar, qu'un corps, elle avait tué l'avatar de Narud. Narud est un Xel'Naga également, alors c'est un Xel'Naga inférieur. Si je peux vous donner, pour mieux vous expliquer la situation, c'est un peu comme, si vous connaissez un peu la mythologie du Seigneur des Anneaux, vous avez les Valar et les Maiar. Les Valar, c'est les êtres suprêmes, les Xel'Naga, et vous avez les Xel'Naga inférieurs, en l'occurrence c'est les Maiar dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Bah, en gros, Narud est une sorte de Maiar, quoi. Mais pour les Xel'Naga, donc c'est un Xel'Naga inférieur, là où Amon, lui, fait partie des gros gros Xel'Naga. Donc, au final, eh bien, ils vont battre les forces de Narud et va arriver bien sûr le combat ultime et l'arc scénaristique d'un des personnages très importants d'Heart of the Swarm, à savoir Stukov, qui fait le lien également avec Broudoir, personnage très intéressant, je lui ai consacré une vidéo, hein, je vous laisse aller la voir, et eh bien les forces coalisées vont triompher petit à petit en gagnant du terrain, et c'est Stukov qui va mettre le coup de grâce contre Narud. Kerrigan avait tué Narud, et bien cette fois-ci c'est Stukov qui a un passé, on va dire, houleux avec Narud, qui va pouvoir accomplir sa vengeance, réaliser son arc narratif aussi, hein, et tuer tout simplement sa némésis. Et en plus, la fin est incroyable. La fin est incroyable, je vous laisse aller voir la vidéo sur Stukov, mais la fin est incroyable, notamment la voice line, la punchline que Stukov balance en tuant Narud, qui n'a pas été censurée ou quoi que ce soit, donc elle est très sympa. Mais c'est surtout quelque chose de très important, puisque Stukov, on ne l'a pas du tout vu, étant donné qu'on était du point de vue des Protoss dans Legacy of the Void. Donc retrouver Stukov en tant que commandant de l'essaim Zerg, ça fait plaisir, sachant que c'est bien sûr sous les ordres de Kerrigan, mais ça fait plaisir. Une tête connue, ça fait toujours plaisir. Et on arrive dans ma critique aussi de cet épilogue, l'épilogue de Legacy of the Void. Il n'y a que trois missions. La première, où vous jouez les Protoss, où vous arrivez dans le vide, et du coup la mission Protoss se termine par une conclusion d'un arc d'un personnage qui était Terran et qui est devenu Zerg. Donc la fin, encore une fois, de la mission Protoss de l'épilogue, on se dit ok, super, c'est même pas Celendis qui gère l'assaut, c'est Artanis lui-même, et sont absents tous les commandants Protoss. Celendis est présente, mais au final on la verra pas. Alarak, qui veut se venger d'Amon, il est pas là. Alors que bon, par rapport au vécu, au passif, certes, Alarak a participé à la défaite du corps, mais on voit bien sûr les vaisseaux de la flotte de mort, donc on se dit mais où il est? Vorazun, absente totalement. Ça aurait pu faire un lien aussi avec Zeratul et autres, pour pardonner à Zeratul, lien totalement absent. Plus aucun Protoss qu'on a appris à découvrir dans Legacy of the Void, on n'en a aucun de présent dans l'épilogue. Et ça fait mal, ça fait très mal, parce qu'on est vachement attaché à ces personnages-là, et ils sont absents totalement de l'épilogue. Et ça c'est... Alors ça fait super plaisir, pour le coup Stukov a son arc, etc, c'est génial, c'est trop bien. Et on voit encore la fin, l'épilogue qui est peut-être un peu rushé. Alors les gens auraient probablement gueulé si Legacy of the Void était sorti sans l'épilogue, mais il aurait peut-être fallu le sortir, pas en DLC, mais en mise à jour plus tard.
Ça gueule, hein. Les gens gueulent dans ce genre de cas, mais peut-être qu'il l'aurait fallu parce que une mission, alors bien sûr c'est pour le côté encore une fois, une mission Protoss, une mission Zerg, une mission Terran, mais peut-être qu'il aurait fallu deux missions Protoss, deux missions Terran, deux missions Zerg, ça aurait peut-être fait beaucoup, mais bah, où sont les Protoss quoi? Et pour les Terran, bah, c'est un peu pareil en fait, hein. Vous allez voir Raynor, et c'est tout. On peut peut-être mettre Stukov dans cette case-là, puisque c'est un Terran contaminé, mais c'est tout. Matt Horner, Rory Swan, où sont les Spectres? Où est Tosh? Où est Nova? Valerian Mensk? Ils sont tous absents. Alors Valerian Mensk, s'il soit absent, c'est logique, il va pas aller là-bas. Enfin, c'est logique. Mais Gabriel Tosh, qui aurait pu avoir un rôle important également. Enfin, tous absents. Donc c'est vrai que c'est un peu triste. C'est même très triste à ce moment-là dans l'épilogue. En attendant... Pendant le combat, ils ont été guidés, ils ont entendu une voix familière qui les a aidés, justement, à ce qui leur a servi de phare, hein, dans cette obscurité, dans le vide. Et du coup, c'était bien sûr la voix de Tassadar, celle que Zeratul avait entendue et qui l'avait guidée à travers toute l'histoire de StarCraft. Mais cette fois-ci, c'est Artanis qui entend Tassadar, comme encore une fois, Zeratul lui avait dit. Et on va pouvoir se regarder, eh bien, tout simplement, une autre vidéo, puisque... Tassadar, alors il y a des idées reçues qui sont liées à cela, on y reviendra après, mais en fait c'était pas tout à fait Tassadar. C'est Tassadar, mon mentor. Comment est-ce possible? Très honoré, vous rencontrer est une telle joie. Tassadar, une forme que j'ai choisie pour guider l'être appelé Zeratul. Pour te guider. Les prophéties que suivait Zeratul résultaient de mes adjonctions psychiques dans les esprits des créatures primitives. Tu es un Xel'Naga, celui qui m'a appelé. Qui es-tu? Uros, le dernier berger du cycle, l'adversaire d'Amon. Il ne fait qu'un avec le vide. C'est une extension de sa volonté, et il m'y tient captif. Pourquoi nous as-tu convoqués ici? Le cycle ne doit pas être brisé. La fusion de la pureté d'essence avec la pureté de forme doit se poursuivre. Toi, celle qu'on appelle Kerrigan, tu peux fusionner avec mon essence, accomplir ton destin, t'élever en tant que Xel'Naga, perpétuer le cycle éternel. Xel'Naga? Tu veux la transformer en l'un de vous? Bordel, non. Sarah, pas encore. Seul un Xel'Naga peut vaincre le déchu. Sarah, tu n'as pas à faire ça. Tu n'as pas à te laisser mutiler encore une fois. Ensemble, on peut... Non, avec ce que j'ai fait, les vies brisées, les mondes détruits, tout ce sang sur mes mains, je dois le laver. Tel est mon destin. Alors, le choix du mot destin est peut-être pas le meilleur trouvé pour Kerrigan, parce que bon, elle a toujours justement été manipulée par des forces supérieures, et elle a toujours voulu justement casser ce destin. Donc, alors, je sais pas si dans la version anglaise c'est le même mot, mais en tout cas, ce qui est assez intéressant, malgré tout, alors j'aime beaucoup les lignes. De toute façon, Raynor est un personnage génial, mais les lignes de Raynor. Oh non, pas encore! Ça fait beaucoup là quand même! Au final, du coup, eh bien. Comme Uros, donc le Xel'Naga, au final, la voix qu'on entendait Tassadar n'est pas Tassadar. C'était un Xel'Naga, le dernier Xel'Naga, le dernier survivant Xel'Naga des adversaires d'Amon, Uros, qui a aidé, qui a guidé les races mortelles en se faisant passer pour une des figures les plus connues, emblématiques, et qui est liée aux trois races, à savoir Tassadar. Pour le lien, j'en ai déjà parlé dans la partie 1, mais sinon, regardez les vidéos sur StarCraft 1, Tassadar est respecté par les trois races, au final, et connu surtout des trois races. Donc c'était l'occasion
eh bien, de faire passer son message de manière plus simple. Et du coup, Zeratul avait d'ailleurs été énormément guidé par Ouros sous les traits de Tassadar. Mais en fait, à aucun moment, c'était Tassadar lui-même. Alors, contrairement à l'Overmind, on remonte l'histoire de l'Overmind et de ses souvenirs. Là, à aucun moment, c'est Tassadar qui lui parlait dans Wings of Liberty. Pour Zeratul, hein, je parle. Donc, non, c'était Ouros. Donc ça, c'est un peu une tristesse aussi pour Artanis, parce que bah, il s'est fait un peu avoir, il a toujours cru que c'était Tassadar qui le guidait depuis l'au-delà. Mais non, au final, c'est Ouros. Et on a surtout l'explication qui est très importante, l'explication que seul un Xel'Naga peut vaincre un autre Xel'Naga, et Kerrigan doit encore une fois évoluer pour faire face à Amon. Et ça, c'est super important parce que, eh bien, Kerrigan a toujours... J'en profiterai, je veux pas dépasser bien sûr sur la vidéo que je ferai le débunkage des idées reçues sur StarCraft, notamment la fin de Legacy of the Void et le rôle central de Kerrigan, qui est très fortement critiqué, parfois à raison mais souvent à tort, en tout cas pour la plupart de son traitement. Je l'ai encore vu d'ailleurs dans les commentaires de la partie 1, c'est en mode oh, Kerrigan, le traitement était cool au début, la fin maintenant c'est pas terrible. Kerrigan, il y a toujours ici cette idée d'évolution. Kerrigan a changé énormément de forme. À certains moments d'ailleurs, on perd peut-être les spectateurs tellement elle a changé de forme, mais elle est passée de Terran à Zerg, sachant que son passage de Terran à Zerg, elle était contrôlée par l'Overmind. L'Overmind qui avait choisi Kerrigan plutôt qu'un Cerebrat lambda, parce que justement Kerrigan était la clé de la survie des Zerg. Ça, c'était déjà un point qui était évoqué à StarCraft 1, mais pas forcément super explicité, du coup, qui a été oublié par pas mal de joueurs. Puis il faut pas oublier que StarCraft, c'est 98-99 avec Brood War, c'est 2010 StarCraft 2, 2015 Legacy of the Void, donc ça remonte, hein, ça fait plus de 10 ans pour la plupart des joueurs, donc certains ont même oublié. Il y a StarCraft 1 Remaster qui a été fait, je vous le conseille, il est très bien. Et en l'occurrence, eh bien, vous avez du coup Kerrigan qui va de nouveau évoluer. Ensuite, dans Wings of Liberty, enfin d'ailleurs dans Brood War, elle s'était émancipée du contrôle de l'Overmind. Alors le premier Overmind a lui été fidèle mais il est mort. Et elle a voulu se libérer, se protéger, son esprit de conservation contre le second Overmind dans Brood War. Au final, dans Wings of Liberty, en tant que Reine des Lames, elle va être battue par Raynor qui va la déserguifier, va la tyranniser en gros. Donc elle va reprendre une nouvelle apparence. Sauf que Zeratul va la guider et le faux meurtre, on va dire, de Raynor va la guider vers une nouvelle prise de pouvoir pour pouvoir accomplir sa vengeance. Et à ce moment-là, elle va repasser en Reine des Lames, mais une Reine des Lames primordiale. C'est pour ça qu'on passe d'une couleur où les yeux... D'ailleurs, il y a beaucoup de ratés au niveau de, je dirais, de l'apparence de Kerrigan sur les fanarts. Mais quand vous avez une Kerrigan avec les yeux jaunes en Reine des Lames, c'est que c'est l'époque StarCraft 1 Brood War, en gros. C'est quand elle est... Ou Wings of Liberty. C'est quand elle est encore sous sa forme Zerg, contrôlée par l'Overmind, ou quand elle s'est libérée de l'Overmind, mais elle est toujours dans son esprit Zerg de conservation et on bute tout le monde, elle trahit tout le monde, etc. Quand elle est désergifiée, Kerrigan, qui de base en humaine a les yeux verts, là a les yeux jaunes quand elle est désergifiée à Heart of the Swarm. Pourquoi ses yeux jaunes ambrés, on va dire? C'est pour rappeler que c'est l'écho de son ancienne forme. Ensuite, elle repasse en Reine des Lames violettes, avec les yeux violets, pour indiquer que cette fois elle est libre, totalement libre de ses pensées. Donc c'est vraiment Kerrigan qui agit et pas sa forme Zerg ou la version la plus, je dirais, corrompue de Kerrigan. Là on est sur sa forme, sa vraie liberté de penser. Elle est en pleine possession de ses moyens et c'est la Reine des Lames primordiale. Donc là elle est en violette, etc. Et là, eh bien, elle va justement de nouveau changer de forme. Et Kerrigan, c'est pas pour rien que l'Overmind l'avait choisi. Elle est à la fois la pureté d'essence, forcément là-dessus ça pose aucun problème, elle était Zerg, mais également la pureté de forme. Et ça, ça pose problème dans la tête des joueurs, puisque pureté de forme, on l'a toujours présenté comme les Protoss. Sauf que la définition de la pureté de forme, c'est quoi? La définition de la pureté de forme, c'est la puissance psychique. La puissance psychique, les grandes forces psioniques qu'incarnent les Protoss. Sauf que Kerrigan, c'est une fantôme Terran, et déjà de son vivant, c'était le fantôme qui avait la plus puissante force psychique jamais retranscrite. D'ailleurs, la deuxième, c'est Nova. Mais la première, c'est Kerrigan. Du coup, en passant en Zerg, ça renforçait encore ses pouvoirs, et il y avait déjà une espèce de mini Xel'Naga en termes de puissance. Et au final,
Bah là, on va récupérer l'essence du Xel'Naga, d'Uros, pour lui faire faire l'ascension. Et elle va devenir une Xel'Naga. Alors pour beaucoup, c'est sorti de nulle part, mais au final, c'était prévisible. C'était... En tout cas, on pouvait l'anticiper, cette chose-là. Et donc, pour faire face à Amon, eh bien, elle va accepter son destin, elle va accepter de se laver les mains, on va dire, puisque Kerrigan, sous son ancienne forme, pendant Brood War, et pendant, bah, même d'ailleurs, pendant Starcraft 1 et Brood War, et ensuite pendant Wings of Liberty, bah, elle a tué des millions, des milliards d'individus, donc elle a énormément de sang sur les mains. La plupart des gens qu'elle a tués, elle n'avait pas son libre arbitre, en tout cas, elle n'avait pas son indépendance, sa volonté propre. Mais malgré tout, elle se rappelle de ses souvenirs quand elle était contrôlée par l'Overmind et quand elle était contrôlée par sa forme Zerg, en fait, par son essence Zerg. Et du coup, elle s'en rappelle et elle ne pourra jamais l'oublier, ça. Dans Heart of the Swarm, malgré son libre arbitre, Kerrigan n'est pas un personnage foncièrement gentil ou foncièrement méchant. C'est un personnage gris à ce niveau-là. Et même pendant Heart of the Swarm, quand elle est libre de sa volonté, quand elle a sa volonté propre, elle va commettre des exactions. J'y reviendrai après. Elle commet des exactions, notamment au niveau des colonies Protoss, mais elle bute sans merci ses adversaires. Après, quand il y a des demandes, etc., Raynor, etc., elle va pouvoir sauver une partie des forces Terran, mais elle a tué des milliers, des millions de gens malgré tout. Peut-être pas millions quand elle est en libre arbitre, et encore, faudrait le mesurer, mais ça fait beaucoup de monde, ça fait quand même beaucoup de monde. Donc, comme elle le dit dans la vidéo, elle a trop de sang sur les mains, et elle doit se faire pardonner, elle doit se racheter, elle doit faire sa rédemption. Et elle va du coup eh bien, devoir assimiler les forces d'Uros, l'essence du Xel'Naga Uros, pour pouvoir justement eh bien, faire son ascension, devenir Xel'Naga, et pouvoir mettre enfin une conclusion, on va dire, sur Amon, enfin se débarrasser définitivement d'Amon. Et de nouveau, eh bien, c'est Raynor, le chevalier servant, c'est Raynor qui va une nouvelle fois eh bien, défendre Kerrigan contre ses ennemis et une nouvelle fois être séparé de celle qu'il aime. C'est vrai que c'est une tragédie aussi au niveau romantique, puisque les deux eh bien, se seront courus les uns envers les... Kerrigan, enfin, au final, Raynor n'aura fait que courir après Kerrigan en permanence, et au moment où on se dit c'est bon, enfin ils vont pouvoir être ensemble, eh bien, ils ne seront pas ensemble, parce que de nouvelles péripéties arrivent et vont les séparer. Donc c'est horrible pour Raynor qui a une histoire vraiment bouleversante et triste à ce niveau-là. Parce qu'au moment où on se dit enfin ils vont pouvoir être ensemble, eh bien non, il y a la guerre contre Amon. Et là, eh bien, Kerrigan va devoir faire son ascension et du coup va se séparer, on va dire, des races mortelles. Donc Artanis va également bien sûr défendre et Artanis, on en reparlera après. Mais pour les Protoss, à l'époque, bien sûr, il y a les Tal'Darim à qui Amon a promis l'ascension. Mais les Protoss, on leur a toujours expliqué qu'un jour ou l'autre, ils feront l'ascension. C'est aussi pour ça qu'Artanis, Elendis et les Protoss normaux, Zeratul, Vorazun, révèrent les Xel'Naga, qui sont leurs créateurs, et un jour ou l'autre, ils feront l'ascension et deviendront Xel'Naga. Qu'une humaine, et pourtant Artanis a énormément de respect pour les Terran, mais qu'une humaine qui a été Zerg, qui a été la cause d'énormément de douleurs chez les Protoss, fasse son ascension en Xel'Naga, ouf, ça va être très 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 mal digéré par les Protoss, ça. Mais bon, pour le moment, on est au front, donc on en reparlera après, bien sûr. Mais Artanis, du coup, va prêter, bien sûr, main forte à Raynor pour pouvoir défendre Kerrigan. Et Kerrigan, pendant ce moment, justement, où elle est en train d'assimiler, est en train de tester aussi les pouvoirs, elle n'est pas encore Xel'Naga, mais elle est en train de faire le rituel. C'est pas vraiment un rituel, mais elle est en train d'assimiler, justement, l'énergie d'Uros. Eh bien, elle va également parler à un autre défenseur, c'est Zagara, son bras droit. Et j'ai presque envie de dire sa fille. Dans ma vidéo sur Heart of the Swarm, j'en ai beaucoup parlé. Le principe de legacy, le principe d'héritage dans les trois campagnes est extrêmement présent, entre l'héritage de Tassadar et Zeratul pour Artanis, l'héritage de Kerrigan, ce que l'Overmind lui a transmis, et de ce qu'elle va transmettre à Zagara, l'héritage que Raynor a transmis à Matt Horner dans Starcraft 1. Il y a vraiment cette question d'héritage. Et là, encore une fois, on le voit et qui fait un superbe lien avec Heart of the Swarm, puisque Kerrigan va continuer à parler à Zagara et va lui donner encore des instructions sur ce qu'elle compte faire après, et ce qu'elle donne, est-ce qu'elle les consigne, en fait. C'est presque qu'elle fait son testament, Kerrigan, au niveau de sa condition Zerg, et Zagara va l'écouter, et notamment, eh bien, il va y avoir le « N'oublie pas, Zagara, tout ce que je t'ai appris, n'oublie pas nos leçons, Zagara ». Donc j'ai beaucoup aimé à ce niveau-là, parce que la séparation entre Heart of the Swarm et Legacy of the Void a été quand même longue, et ils n'ont pas du tout oublié les aspects d'Heart of the Swarm, entre le traitement de Stukov et le traitement de Zagara. Là, c'est pareil, les Zergs
ont du poids, mine de rien, dans cet arc scénaristique, dans cet épilogue, pour le coup, entre Zagara et Stukov, il y a un vrai traitement des personnages. Dommage que pour les Terrans et les Protoss, ce soit pas autant. Et même chez les Zergs, il y a des problèmes. Deaka est totalement absent, par exemple, de l'épilogue. Isha également. Bon, Isha a moins d'importance, mais Deaka, totalement absent. Au final, eh bien, Kerrigan va donc, comme je l'ai dit, être choisie pour accomplir l'ascension. Elle rassemble pureté de forme, pureté d'essence. Et comme l'Overmind l'avait vu et senti lors de la première guerre, elle va faire son ascension et pouvoir assurer un avenir pour les Zergs. Sachant que, je le rappelle aussi, dans Legacy of the Void, j'en avais parlé dans la partie 1, mais c'est pas pour rien que le corps de l'Overmind a été choisi pour faire le corps d'Amon, et il l'avait appelé le Grand Traître. Donc, moi j'aime beaucoup, justement, que l'Overmind ait été ce visionnaire, celui qui puis... Alors, en même temps, il avait assimilé une partie de l'essence Xel'Naga, mais qui puisse, justement, se dire... Enfin, faire son héritage vers Kerrigan, et c'est lui qui avait choisi Kerrigan, et bien c'est le moment où Kerrigan va avoir son heure de gloire, tout simplement, puisqu'elle va pouvoir enfin accomplir l'ascension. Notre essence achève de disparaître pour faire poindre une nouvelle éternité. Les cycles éternels arrivent à leur terme. Ces moments ensemble resteront toujours en moi. Chérie, je dois m'en aller, Jim. Règle tout ça. Alors, l'apparence de Kerrigan a pas mal fait jaser. J'aime beaucoup cette cinématique. La musique est belle, l'échange, le dialogue est beau. Mais encore une fois, où est la CGI ? Bordel de merde ! On a le moteur de Kerrigan, on a le moteur physique de Kerrigan, on a le moteur physique de Raynor. Ils auraient pas pu faire le passage en CGI. Mais bon, après, c'est le détail, mais c'est le message est tellement beau, la musique est tellement belle. Enfin, vraiment, l'échange, je le trouve... profondément marquant, mais graphiquement, mon dieu, graphiquement. Mais bon, c'est superbe malgré tout. L'échange est magnifique. J'aime beaucoup la ligne d'Artanis. Je suis désolé, elle me fait rire alors que je devrais presque en avoir les larmes aux yeux, mais elle me fait rire. Artanis qui dit, elle est Xel'Naga, et j'imagine le même, vous savez, avec le grand sourire qui cache. Le mec ultra énervé, mais bon, après il voit quand même un Xel'Naga, et Xel'Naga c'est quand même pas n'importe quoi pour les Protoss. Mais cette cinématique est magnifique, même si à côté de ça, c'est vrai que la forme de Kerrigan, elle a fait pas mal jaser, elle est assez particulière, ce qui fait d'ailleurs qu'il y a très très peu d'images. Je peux vous dire que ça a été une galère à chercher, parce qu'il y a très peu d'artistes qui l'ont représenté. C'est impressionnant, Kerrigan, c'est probablement l'un des personnages de tout Blizzard, de toute licence confondue de Blizzard, les plus représentés, que sont en cosplay c'est un peu difficile, mais en cosplay aussi, mais surtout en images. Là, c'est la plus belle que j'ai vue, et d'ailleurs, je pense que c'est l'image qui aurait été très intéressante, puisque on voit vraiment un côté extraterrestre. Alors que, avec le moteur du jeu, encore une fois, on n'a pas une CGI, et c'est pas pour rien que je vous en parle, parce que, avec le moteur du jeu, bah, c'est vrai que Kerrigan en Xel'Naga. L'idée est bonne, la volonté est bonne, mais.
ça fait un peu bizarre, quoi. C'est... Je sais pas, les formes sont particulières. Et ça fait pas trop extraterrestre, alors que Xel'Naga, censé être l'ascension, c'est un truc un peu particulier. Alors, beaucoup s'attendaient du coup à un effet de poulpe ou autre. Pareil, l'apparence d'Xel'Naga était pas mal critiquée, hein, que ce soit Kerrigan, mais aussi les formes d'Uros et Amon, ont été pas mal critiquées par rapport au passé. J'y reviendrai dans la vidéo de débunkage, mais... Pour le coup, c'est plus le moteur du jeu qui rend pas hommage vraiment à ce que devient Kerrigan, quoi. Parce que c'est une espèce de phénix chelou, lisse. C'est vrai que ça fait bizarre. Alors, le choix, bien sûr, de couleur est pas au hasard. Elle est, bien sûr, une espèce de lumière, une espèce de phénix, puisqu'elle renaît une nouvelle fois de ses cendres. Il y a beaucoup de messages ici. Le jaune, qui a toujours été sa couleur de cheveux, mais également sa représentation de Reine des Lames. Et en tant que Xel'Naga, va devoir corriger tout le mal qu'elle a fait en tant que Reine des Lames. Donc la couleur est vraiment intéressante. J'aurais bien aimé une dualité de couleurs avec les yeux verts, justement, qui récupère ses yeux originaux, mais avec le orange présent sur tout son corps. Ça aurait été assez sympa. Et d'ailleurs, le vert orange se marie très très bien. Là, c'était les conseils d'écho. Je vous avoue que c'est un moment vraiment, encore une fois, marquant, même si bon, l'absence de CGI fait que je sais que moi même dans mon entourage j'ai des gens qui ont fait mais qu'est-ce que c'est que cette apparence de Kerrigan, quoi. En dehors du fait qu'ils soient d'accord ou pas avec le lore, juste l'apparence graphique font il y a un blocage, on doit être à fond dedans là, c'est le moment, on doit être à fond dedans, oh, c'est la fin, c'est le rush final, le sprint final, et là c'est vrai que son apparence ça peut bloquer un petit peu, ça peut bloquer. En tout cas, on va avoir l'ultime cinématique avec le duel au final en 1v1, ça y est, le duel, enfin pas vraiment 1v1 d'ailleurs, mais le duel entre Amon et Kerrigan. Kerrigan maintenant est devenue Xel'Naga, elle a fait son ascension, elle va pouvoir se battre à armes égales avec Amon. Alors elle va être aidée de Raynor Artanis cette fois-ci, hein, puisque alors Zagara n'aide pas, enfin on peut imaginer que Zagara a aidé, mais en tout cas c'est vraiment Raynor et Artanis qui aident à aider tout simplement, les assurer les arrières de Kerrigan, puisque pendant que Kerrigan est opposé à Amon et ses armées, eh bien Raynor et Artanis vont devoir détruire des piliers, un petit peu à l'image des piliers sur Ayur, des barrières en fait qui vont renforcer Amon. Ils vont détruire ces piliers pour permettre au duel d'avoir lieu entre Amon et Kerrigan. Amon a déjà vaincu plein de Xel'Naga, mais cette fois-ci c'est Kerrigan, c'est pas n'importe qui. Et en plus ça va être sans doute. Oh, Jim. Il est temps. Du Sénat, l'amiral Matthew Horner a réaffirmé le soutien de l'armée au nouveau gouvernement du Dominion et a fait part de son optimisme quant aux dernières phases de négociations avec les États-Unis. Gagner les cœurs et les esprits, comme vous l'avez toujours dit. Tu sais, Matt, un jour tu finiras par diriger cette bande inadaptée. J'ai fait un pacte avec le diable, Jimmy. Tu tiendras sa vie entre tes mains. Tu crois pas qu'il est temps de partir, cowboy ? Bordel. C'est pas trop tôt. Et voilà comment se termine Legacy of the Void et comment se termine StarCraft, tout simplement, se termine la saga StarCraft. Et encore une fois, la cinématique est belle, on conclut l'arc narratif des Terran, notamment eh bien, la rébellion de Jim Raynor, tout le voyage qu'il a accompli de SC1 à Legacy of the Void. Et pas de CGI, très court. Que deviennent les Ergs sous Zagara, que deviennent le Dominion, etc. Eh bien ça, c'est pas en cinématique. C'est des images, très belles images par contre, avec un texte écrit qui vous dit, ah bah là en fait, Alarak, il va là-bas, Zagara, elle va là-bas, etc.
elle est belle cette fin, elle est belle, il y a des belles choses, mais le manque de temps a tellement bâclé la fin, quoi. On devrait avoir un sentiment d'accomplissement, et certains critiqueront bien sûr la fin avec Kerrigan qui devient Xel'Naga, etc., etc. Mais au final, l'histoire est bien écrite. Les dialogues aussi sont très très bons et très percutants. On remet les messages, on va dire, de StarCraft 2, Wings of Liberty, avec justement Raynor qui se rappelle de ses souvenirs et notamment de ses conversations, où il dit à Matt Horner, bah tu seras, c'est toi qui dirigeras un jour cette bande d'inadaptés, hein, donc les rebelles de Raynor, etc. On voit justement le lien fort entre Matt Horner et Valerian Mensk, où deux ans après ce timelapse, deux ans après, eh bien, on a le Dominion, ça semble bien aller. On a justement Matt Horner et les rebelles de Raynor, du coup, qui soutiennent le gouvernement en place. Enfin, ça conclut, c'est clair que ça conclut, mais ça manque de quelque chose. Alors surtout, ce qui est aussi très intéressant, par contre ça je trouve ça très intéressant, c'est cette fin où on voit justement Kerrigan qui revient sous sa forme Terran, sous sa forme humaine, qui revient voir Raynor, et là, eh bien, c'est une fin ouverte, où il y a énormément de... Alors, il n'y a pas énormément de théories, mais au final, plein de personnes voient quelque chose de différent. Il y a deux grandes théories. La première, c'est qu'au final, Kerrigan, maintenant, comme c'est une Xel'Naga, peut changer de forme en permanence, un peu comme l'a fait Narud ou comme l'a fait Uros, en se faisant passer pour Tassadar. Donc, Kerrigan peut changer d'apparence et du coup se présenter sous sa forme normale et dire à Raynor, viens, on va pouvoir enfin vivre heureux ensemble. Certains voient cette vision-là. Et il y a une vision beaucoup plus noire, beaucoup plus fin douce amère, je dirais, personnellement, que je partage, à savoir que Raynor, il boit beaucoup. Il boit énormément. Et on le retrouve dans un bar sur Marsara, qui fait bien sûr écho à SC1, Marsara, tout ça, son badge de confédéré, tout ça, de Marshall confédéré. Et moi, perso, ce que je vois là, c'est pas forcément le plus joyeux, mais c'est que Raynor meurt, en fait. Raynor meurt de son alcoolisme, cirrhose ou on sait pas quoi. Il meurt de son alcoolisme. Alors, il a pas que des regrets, bien sûr, mais au final, eh bien, il meurt... Il meurt là-dessus, et c'est sa vision, en gros, de fin, où il voit Kerrigan. Alors, ça peut, malgré dans ce côté très noir, où justement c'est Raynor qui meurt, parce qu'il y a un texte après qui dit qu'on ne reverra jamais Raynor. Raynor, plus jamais on a eu de nouvelles de Raynor. On a juste retrouvé son badge sur le bar, et c'est tout. Est-ce que c'est une vision, justement, où il va mourir tout seul dans les montagnes de Marsara, et on retrouvera jamais son corps, etc. Ou alors, est-ce que, justement, il meurt? Donc dans cette théorie de la mort, est-ce qu'il meurt et c'est juste une vision d'alcoolique où il a une vision et il est mort tout seul? Ou est-ce que, comme Kerrigan est devenue une Xel'Naga, elle a un pouvoir sur la vie et la mort, Raynor meurt, bien sûr d'alcoolisme, mais au final, il rejoint Kerrigan dans la mort, en fait. Personnellement, c'est ce que j'y vois, ça veut pas dire que c'est ça, parce que, encore une fois, c'est une fin ouverte, donc chacun a son interprétation, mais je pense pas qu'elle soit si heureuse que ça pour Raynor. Après, il peut y avoir justement cette mort, et dans la mort, il rejoint Kerrigan. On verra par la suite. Le fanservice, la facilité, ce serait de faire revenir Raynor, mais je pense vraiment que StarCraft 2, malgré que parfois ce soit critiqué, a fait un excellent pont dans l'héritage, dans la transmission, et du coup, refaire revenir Raynor, personnellement, moi, j'aimerais pas. Alors vous allez me dire, si t'aimes pas, peut-être qu'ils le feront, mais c'est pas parce que t'aimes pas. Non, mais en fait, il a tout raconté, Raynor. Il a raconté énormément de choses. C'est un personnage super intéressant, très bien écrit. Tournons la page, en fait. Tournons la page. Son histoire est terminée. Et passons à autre chose. Maintenant, je veux bien voir votre avis concernant l'interprétation de la fin de Raynor pour ce qui est de StarCraft 2 et de cette fin. En attendant, vous avez donc, comme je l'ai dit, l'épilogue à la fin, et bien vous avez des images qui vous racontent un petit peu ce qui se passe. Pour ce qui est du Dominion, je reviendrai, c'est pas fini bien sûr, hein, je reviendrai sur d'autres vidéos sur Legacy, enfin d'autres vidéos sur l'après StarCraft 2, notamment deux, une sur StarCraft Evolution et une sur les missions de Nova, donc c'est pour ça que je vous montre Nova évidemment. On reparlera du Dominion du coup dans la vidéo consacrée à Nova avec les missions Nova. Puisque, eh bien, le Dominion, ça se passe bien, il y a une ère de paix comme on l'a vu grâce à Matt Horner et Valerian Mensk, le duo qui fait repartir, on va dire, le Dominion, l'Empire Terran. Mais malgré tout, c'est une ère de paix qui reste fragile. Et on verra que dans l'émission de Nova, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec la politique mise en place par Valerian Mensk. En attendant,
pour ce qui est des menaces potentielles Terran pour un Starcraft 3, parce que bien sûr il faut ouvrir sur ce qui pourrait se passer après Starcraft 3, l'arc Starcraft 1 et 2 est terminé, mais ça ne veut pas dire que toute la licence Starcraft est terminée. Il y aura clairement un jour un autre jeu Starcraft. Est-ce que ce sera un Starcraft 3, est-ce que ce sera un jeu de tir Starcraft, on ne sait pas trop, mais il y aura clairement, l'histoire de Starcraft n'est pas terminée. En attendant, donc les menaces qui que peuvent représenter les factions Terran, sachant que suite à Starcraft 2, il y a eu beaucoup de critiques sur le côté prophétie, évolution, Xel'Naga, tout ça. Spoiler, c'était déjà présent dans SC1, mais c'est vrai que c'était pas autant dans SC1 par rapport à SC2. Donc beaucoup étaient en mode, oh là là, c'était mieux avant, Brood War, hein, cette espèce de Game of Thrones de science-fiction, c'était beaucoup plus intéressant. Je trouve que les deux périodes sont géniales, Brood War est très intéressant aussi, mais c'est aussi par Brood War qu'on arrive à l'après. Et du coup, c'est fort probable que si un Starcraft 3 sort un jour, on revienne sur les combats de factions, plus que quelque chose d'épique avec la dimension prophétique. Donc, si on parle de factions, on parle d'Earth of the Swarm, évidemment, où il y a cette grande interaction que je vous avais évoquée dans la vidéo entre Stukov et Kerrigan, où Stukov disait quoi ? Stukov disait, tu sais Kerrigan, un jour, le directoire reviendra, le DFT reviendra. Et le jour où il reviendra, ce sera avec une force de frappe bien supérieure à celle que l'on représentait Dugal et moi. Nous, on n'était qu'un corps expéditionnaire. Le jour où ils reviendront, ça frappera très très fort. Et je rappelle, si vous avez vu ma vidéo sur Brood War, que le directoire a été, pendant un temps, la force principale du secteur de Coprulu. Celle qui a dominé le secteur de Coprulu. Certes, ça a été temporaire, mais c'était qu'une force de coalition, enfin une force d'expédition. Donc, le directoire représente peut-être l'une des plus grosses menaces pour le secteur de Coprulu et le fragile équilibre entre Terran, Zerg et Protoss. Sachant qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que l'Empire Terran, il n'y a pas que le Dominion Terran, on a deux autres corps qui sont importants. Si vous avez vu ma vidéo sur les Terran, vous les connaissez. Le Combinat Kel'Morian qui a beaucoup bouffé dans la tronche pendant Starcraft 1 et Starcraft 2. Et le Protectorat Humojan qui était visible un petit peu d'ailleurs au début d'Earth of the Swarm. Que vont faire ces deux organismes, ces deux régimes, on va dire, ces deux forces politiques? Est-ce qu'ils vont se rallier au Dominion pour bâtir quelque chose de supérieur? Ou est-ce qu'ils vont s'opposer, sachant que je rappelle qu'il y a eu des guerres entre le Combinat Kel'Morian et l'ancienne Confédération, et les cendres des Confédérés ont amené le Dominion Terran. Donc il peut y avoir des ressentiments, hein, sachant que bon, on n'a pas beaucoup aidé le Combinat Kel'Morian pendant les guerres, donc pendant la première et la deuxième guerre. Donc comment ça va se passer, ça pourrait être intéressant à ce niveau-là. Ça, c'est pour ce qui est des forces Terran. Il y aura peut-être de nouvelles factions Terran qui vont émerger, hein, mais en tout cas, on fait avec ce qu'on connaît. En attendant, pour les Protoss, bah, l'unification Protoss a eu lieu, donc Nerazim, donc Templier Noir et Purifier sont tous ensemble, et on a justement une fin assez intéressante pour ce qui est des Protoss, puisque Alarak, il est dit qu'Alarak se casse, Alarak ne veut pas rejoindre les Protoss unifiés d'ailleurs. Donc ça c'est assez intéressant, malgré le rapprochement entre Alarak et Artanis, on n'a pas non plus une fin parfaite pour les Protoss. Non, les Tal'Darim sont très indépendants, farouchement indépendants, et veulent garder leur indépendance. Mais on voit aussi un développement dans le traitement d'Alarak, où Alarak au final va autoriser ceux qui ne sont pas forcément d'accord avec sa politique, à ce moment-là en tout cas, de rejoindre s'ils le veulent. Certains, comme je l'ai dit, ont été impressionnés suite. Alarak lui-même a été impressionné par Artanis et les Kalaï, mais tous les autres Tal'Darim ont aussi été impressionnés en combattant côte à côte avec les autres Protoss. Et eh bien, ils ont été impressionnés par eux. Et du coup, eh bien, Alarak va autoriser ceux qui veulent à rejoindre les nouveaux Protoss unifiés. Mais par contre, une fois que la décision est faite, on ne reviendra pas en arrière. Donc, Alarak va récupérer la flotte de mort et va récupérer l'essentiel des Tal'Darim. Donc certains vont rejoindre les Protoss unifiés, mais l'essentiel vont rester indépendants et vont repartir. Alors par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que il est suggéré, ils vont fonder leur propre empire, et il est suggéré qu'ils vont s'établir sur une nouvelle capitale. Est-ce qu'ils vont récupérer Slain, la planète capitale des Tal'Darim, ou est-ce qu'ils vont se bâtir sur un nouvel endroit? Ça on sait pas trop, donc l'avenir nous le dira. Et on sait qui est le bras droit d'Alarak toujours, c'est Jinara qui devient le premier aspirant des Tal'Darim et que l'on reverra dans le futur, la petite Jinara. Donc voilà pour ce qui est d'Alarak. Et maintenant on va attaquer, on va dire, peut-être le sujet le plus intéressant de cette fin, c'est les Zergs. Parce que les Zergs, malgré ce qu'on pourrait croire, on pourrait dire oui, fin cucu la praline, tout ça, il se passe beaucoup de choses chez les Zergs et c'est très intéressant. Tout d'abord, bien sûr, le traitement et le déroulement des choses concernant Zagara,
qui a eu cet apprentissage d'une Kerrigan libérée, une Kerrigan délivrée, bien sûr, de l'influence de l'Overmind et de l'influence d'Amon et des Zerg et de son propre, de sa propre essence d'Erg. Et du coup, elle a mené les Saints Zerg. Le problème, c'est que Zagara n'est pas Kerrigan. Zagara va perpétuer la volonté de Kerrigan, mais Zagara n'est pas Kerrigan. Alors déjà, on va parler de choses, puisqu'elle va avoir une attitude plutôt défensive, puisqu'il est dit qu'elle va récupérer, s'emparer de l'ancien secteur, l'ancien espace Zerg, l'ancien espace sous domination Zerg, à savoir les mondes environnants, les systèmes environnants de Char. Donc on va récupérer la planète capitale des Zerg, Char, et Zagara va s'y établir avec les Saints, mais sur une position, sur une attitude plutôt défensive. Et ça, c'est aussi une des grosses critiques qui est faite à la fin de Legacy of the Void par les joueurs Zerg et par ceux qui connaissent juste un petit peu les Zerg, en se disant, mais attendez, les Zerg, c'était cette force inarrêtable, animale, qui va tout bouffer et tout assimiler, et maintenant, c'est quoi, ils veulent juste être dans leur coin, pépère. En soi, faut pas oublier que les Zerg ont toujours été manipulés, en fait. Ils ont toujours été sous le contrôle de quelqu'un. Et ce qui est assez bien fait avec Heart of the Swarm et la fin de Legacy, si vous écoutez, réécoutez les cinématiques de fin, Kerrigan le redit. Je vais nous libérer, on va être libre de notre volonté, de notre pensée. Donc, finalement, eh bien, chez les Zerg, il y a un changement de manière de penser complet, en fait. Ils ont toujours été dans la violence et l'assimilation agressive. Et là, Zagara, eh bien, elle respecte la dernière volonté de Kerrigan, d'être plus défensive. Et ça, ça va mener à des problème interne aussi, chez les Zerg. On y reviendra plus avant dans StarCraft Evolution, mais on a déjà, bien sûr, la menace principale probablement chez les Zerg, c'est Nyadra. Et là vous dites, mais c'est qui ce perso? T'en as pas du tout parlé dans Legacy of the Void. J'en avais parlé dans Heart of the Swarm. Ce personnage a également été oublié dans Legacy of the Void. Alors, probablement parce que elle n'était pas sous le contrôle d'Amon, ça a été oublié. C'est un aveu des développeurs, ils ont oublié Urun, Mohandar et Nyadra. Mais Nyadra n'avait pas forcément un rôle important à jouer dans la campagne des Protoss de Legacy of the Void. Vraiment, l'axe qui était dépeint, c'était vraiment le combat contre Amon. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, l'oubli de Nyadra en fait quelque chose de très intéressant pour la suite. Puisque Nyadra, je rappelle un petit peu son histoire, Nyadra, quand Kerrigan s'est libérée, elle avait peur, elle craignait les Protoss. Si l'armada dorée intervenait, Kerrigan et son essaim, terminé avant d'avoir pu commencer. Donc elle avait créé une reine Zerg à son image, comme les autres reines Zerg. Je rappelle, les lieutenants des forces de l'essaim Zerg, c'était les Cérébrates dans StarCraft 1. Kerrigan avait remodelé ça, comme je vous en ai parlé à Wings of Liberty, pour créer les reines Zerg, qui sont à son image, une version un peu plus... une version femme déjà. Cérébrate était une figure masculine, les reines sont des figures féminines. Et au final, eh bien Zagara était à son image, et bien elle va créer aussi Nyadra, et Nyadra est une reine qui a eu pour instruction de Kerrigan, tu extermineras les Protoss. Tu vas occuper les Protoss pendant que nous on fait autre chose. Sauf que le problème, c'est que Kerrigan, elle a laissé Nyadra de côté, et Nyadra elle fait sa popote en fait. Et du coup, la dernière chose qu'elle a eu, le dernier commandement qu'elle a eu de la Reine des Lames, c'est quoi? C'est tu extermineras les Protoss. Du coup, eh bien, Nyadra rejette l'autorité de Zagara, et il y a un conflit de reine entre Zagara et Nyadra. Donc on va repartir probablement vers un Brood War. La guerre des couvées, la guerre des nuées, pour savoir qui va diriger. Et ça, c'est intéressant, puisque Nyadra n'a pas été oublié. Nyadra, dans les bandes dessinées qui accompagnent les trésors de guerre, les coffres de guerre de StarCraft 2, eh bien Nyadra fait sa réapparition dans les œuvres post-StarCraft 2. Donc Nyadra aura un rôle à jouer dans l'avenir. On a également, bien sûr, la question, l'interrogation d'EAK, qui n'apparaît pas du tout sur l'épilogue. Que devient Dehaka? Dehaka avait un pacte avec Kerrigan, mais ce pacte-là, il ne l'a pas fait avec Zagara. Reste-t-il loyaux, reste-t-il fidèle à Zagara? N'oublions pas que Dehaka, s'il avait rejoint Kerrigan, c'était pour récolter des essences, toujours plus. Si Zagara adopte une position plus défensive, plus pacifique, comment Dehaka assimile des gens? Donc, clairement, dans la volonté, dans la manière de faire de Dehaka, c'est aux antipodes de ce que veut faire Zagara. Encore une fois, conflit au sein des forces Zerg. Et Dehaka dirige l'essaim primordial des Zerg. Donc, il va y avoir clash. Sachant qu'en plus, le plus intéressant, si vous avez rejoué, revu la camp... revoyez ma vidéo, mais sinon, rejouez Heart of the Swarm, pardon, il y a clairement une opposition marquée entre Zagara, qui représente le... pas le old school, mais qui représente
les saints Zergs tels qu'on le connaît facilement, et Deaka qui représente les Zergs primordiaux. Donc il y a vraiment une dualité entre Zagara et Deaka, qui est d'ailleurs un petit peu mise en avant dans Heroes of the Storm. Et vous allez me dire, bah, Heroes of the Storm c'est pas canon par rapport à StarCraft. Oui et non. C'est-à-dire que il y a pas mal de choses qui sont piochées. Oui, bien sûr, Heroes of the Storm n'est pas canon, mais il y a beaucoup de choses qui sont piochées d'Heroes of the Storm, et sachant que le jeu est développé notamment par des anciens de StarCraft, mais aussi en accord avec les développeurs actuels de StarCraft. Et notamment l'apparence de Deaka, eh bien, a changé Heroes of the Storm, et l'apparence d'Heroes of the Storm de Deaka, et la nouvelle apparence canon de Deaka suite à son assimilation d'essence. Et ils ont des interactions plutôt pas mal dans Heroes, avec ces « je t'aime, moi non plus », une grosse rivalité où il y a une espèce de lien d'amour, mais d'un autre côté de haine, où ils se détestent. Donc c'est assez intéressant, et ça pourrait nous faire un conflit plutôt riche dans l'avenir. Autre interaction aussi très intéressante, très importante de Heroes of the Storm, c'est Stukov. Stukov qui a réalisé son arc à la fin de Legacy of the Void en tuant Narud, il a accompli sa vengeance. Le truc, c'est que lui aussi avait un accord avec Kerrigan, pas avec Zagara. Et tout comme Deaka, Stukov n'apparaît pas dans la suite romancé de StarCraft 2, à savoir StarCraft Evolution, je ferai une vidéo spéciale dessus. Stukov et Deaka sont absents du récit, comme s'ils n'étaient pas dans l'essaim de Zagara. Or, Stukov, c'est aussi celui qui a annoncé le retour du DFT, il y aura probablement un rôle à jouer. Alors, lui, à un moment donné, il était même prêt à mourir, son arc est accompli, donc potentiellement il peut se suicider, et ce serait un peu dommage de gâcher un potentiel scénaristique pareil, sachant que bon, le suicide, on l'a déjà eu à Krenor. Du coup, que va-t-il faire? Est-ce qu'il va monter son propre essaim de Zerg contaminé? Et moi, par exemple, il y a un personnage qui a beaucoup plu aux joueurs, c'est Ticus. Et c'est l'occasion de réanimer un personnage en faisant du fanservice, mais qui a déjà été fait par le passé et par StarCraft 1 Brood War, qui est mis comme parangon par les joueurs. C'est Stukov. Stukov qui est un humain tué et qui a été zergifié, a été ramené en tant que Zerg. Stukov a pas mal bossé sous Narud et s'est fait contrôler par Narud, donc il connaît un petit peu ces processus-là, ce qui pourrait pas nous ramener un petit Ticus contaminé pour en faire un lieutenant. Stukov connaît le DFT, Stukov aurait des choses très intéressantes à faire pour l'après, donc pareil, dans Heroes of the Storm, alors là pour le coup c'est très sanglant entre Stukov et Zagara, et il dit texto, alors j'ai pas la citation parfaite sous les yeux, mais ce qu'il dit c'est tout simplement « Zagara, moi mon accord était avec Kerrigan, toi, je ne te reconnais pas en tant que reine des Zergs. » Donc ça c'est quand même une bombe. Hein. Ça pour le coup c'est quand même une bombe. Et son absence dans StarCraft Evolution nous montrerait qu'il y a un clash au niveau du contrôle des essaims. Maintenant concernant Zagara, j'espère énormément que si un StarCraft 3 sort, eh bien on ait une évolution physique de Zagara. Les Zergs évoluent physiquement. Kerrigan en est la démonstration. J'adore ce fan art. Vous avez les références d'ailleurs en bas. J'adore ce fan art de Zagara où on a une Zagara qui, en tant que héritière de Kerrigan, alors je sais aussi que c'est quelque chose qui fait peur aux gens, c'est que les Zergs s'humanisent de plus en plus. Mais en fait, il y a moyen de garder l'esprit Zerg tout en l'adaptant avec la vision de Kerrigan et le côté plus humain. Kerrigan, si elle a humanisé les Zergs, c'est aussi parce que c'était à son image. Du coup, j'aimerais bien voir une Zagara qui deviendrait, alors il faudrait un titre, un nouveau titre en dehors de juste de Reine des Zergs, Reine des Piques, je sais pas, Reine de quelque chose, mais en tout cas ce qui serait intéressant c'est de rendre Zagara plus humaine tout en gardant le côté animal, le côté mutante on va dire, si vous connaissez le film, le côté mutante des Zergs, le côté extraterrestre, mais la rendre plus humaine. On pourrait imaginer par exemple, alors il y a un skin comme ça dans Heroes qui existe, qui est très intéressant, alors c'est dans le désert, donc c'est un côté scorpion, mais le haut du buste, je le verrais comme ça, vraiment en Zerg avec la poitrine de Kerrigan, les cheveux, etc. Et on aurait toujours cette espèce de crête qui représenterait aussi sa couronne, mais la couronne des reines des couvées Zerg. Et le bas qui resterait le bas, par exemple, des reines Zerg plus traditionnelles, qui ferait un mixte entre le côté humanifié et le côté Zerg, où on verrait justement, bah voilà, elle serait à la fois en fait l'héritage de la reine des lames, mais avec sa nouvelle personnalité. Et je sais que Zagara, à l'heure actuelle, comme elle a un skin très très proche des reines normales, c'est pas un perso qui hype tout le monde, mais son développement est très intéressant et elle reste un personnage secondaire, c'est pas une insulte, c'est un personnage secondaire très intéressant et qui peut être catapulté au devant de la scène, mais il faudra une évolution physique pour moi pour qu'on ait cette... Et avec une apparence comme ça, je pense qu'elle peut
faire vraiment l'héritière dans la tête des gens pour Kerrigan et vraiment nous marquer les esprits. Et elle a un charisme, elle a cette pose où elle se met comme ça avec ces espèces de membres, elle a des choses, Zagara, et je la trouve très intéressante, même si pour le moment on est encore sur une transition, c'est pas abouti, et je pense qu'on peut aller encore plus loin avec Zagara dans l'avenir, et ça pourrait, moi personnellement, ça me hype bien. Maintenant, c'est la fin, la conclusion de Legacy of the Void. Personnellement, je trouve encore une fois que la narration et ce qui est écrit conclut bien la saga StarCraft. Malheureusement, c'est le manque de temps qui aura, je trouve, fait très très mal à la conclusion. Les cinématiques qui ne sont pas en CGI, bah, c'est moins marquant, c'est moins épique. Donc, la première fois que j'ai terminé Legacy of the Void, j'ai dit bah, c'est cool, mais il manque un truc, quoi. Il manque quelque chose. Et plus je finis, plus j'ai joué à Legacy, plus j'ai refait, plus je trouve que l'écriture est bonne. Vraiment, l'écriture est très très bonne. Il y a plein de détails qui montrent la finesse de l'écriture, les références aux anciens opus et autres. Mais la mise en scène finale est quand même décevante. Certains personnages oubliés. Alors au moins, ils ont fait leur mea culpa en le reconnaissant, et ça, c'est déjà une bonne chose. Mais même les personnages qui n'ont pas oublié, je veux dire, tu as travaillé à l'arrache tout le temps, et à la fin, dans l'épilogue, tu le vois pas. C'est quand même du gâchis, ça. Donc l'épilogue, on sent que ça a été rushé, ça a été fait rapidement. On n'a pas les CGI. D'ailleurs, j'ai le manuel. Blizzard m'a offert le manuel avec les Art of Cinematics de StarCraft. À la fin, je l'attendais avec impatience. Ils bouclent ça très vite parce que bah, y a pas de CGI en fait, donc ils peuvent pas vraiment en parler, quoi. Donc c'est un peu dommage à cette fin là. Et je vous conseille, ce sera l'objet de la prochaine vidéo, mais je vous conseille absolument le livre StarCraft Evolution, qui pour moi est l'un des meilleurs bouquins de l'univers de StarCraft avec la saga du Templier Noir. Il est excellent, il y a vraiment un thriller, une intrigue qui est très intéressante, donc je ferai une version sans spoiler et spoilerai très vite après. Mais c'est quand même très très riche, très intéressant, et je vous invite vraiment à le regarder. Je pense qu'en plus vous pouvez le trouver pas trop trop cher, contrairement à la saga du Templier Noir qui est plus édité. Donc StarCraft Evolution, ce sera l'objet justement avec l'évolution Zerg, notamment avec le thématique Zerg et ce qui se passe dans le Dominion Terran et chez les Protoss. Il y a toute une intrigue, toute une enquête, et on voit également ce que peut devenir un peu Kerrigan, puisque la vie se reforme sur certains mondes, alors que c'était des mondes stériles où il n'y avait aucune trace de vie. La vie émerge sur des mondes stériles, il se passe quelque chose. On en reparlera dans une autre vidéo. J'espère que cette fin de Legacy of the Void vous aura plu. C'était un très gros morceau. J'espère avoir été à la hauteur au niveau de la narration pour vous faire transmettre cette histoire, cette richesse quand même de l'univers de StarCraft. Merci à tous. J'ai eu beaucoup de messages concernant StarCraft Legacy of the Void, donc bah, j'espère que ça vous aura plu. Même si la fin est peut-être un petit peu décevante, ça reste une très... En fait, ça aurait pu être une fin parfaite. Je trouve que c'est une très bonne fin, ça aurait pu être une fin parfaite ou quasi parfaite, mais ça reste une très bonne fin. Faut pas non plus voir que le négatif, il y a au contraire beaucoup de positifs. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de rejouer à Legacy, ou même à jouer à Legacy of the Void, revoir un petit peu tout ça. En tout cas, l'histoire de StarCraft n'est pas terminée, l'arc principal est bouclé, mais il nous reste StarCraft Evolution et l'émission Nova, ainsi que les BD plus tard. Donc voilà, StarCraft c'est pas terminé, et il y aura des vidéos ensuite individuelles de personnages. Je sais qu'il y en a qui vous attendez avec impatience, je pense qu'on commencera par Kerrigan. Mais en tout cas voilà, merci à tous, j'espère que ça vous a plu, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. A plus dans le Nexus.